So, good morning. So, this session will be in English, only one talk. So, bonjour en français. Donc, ces derniers jours, donc on a une matinée extrêmement dense sur les salmonidés d'une manière générale, les poissons, et puis aussi une petite pause après quatre présentations sur l'acophonie. Donc, je vous ai envoyé un mail pour les participants, je me suis planté. Merci, Laure. Je ne devrais pas envoyer des mails le matin. C'est bien une sortie en Doris de 13h30. Non, de 14h30 à 16h. Et sinon, il y a aussi une balade avec Tristan Briand pour découvrir un peu certains étangs de l'archipel. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous laisse la parole. Good morning, everyone. So we're going to start with the first presentation from Ian Fleming. Merci. Excuse moi, that's the end of my French, I'm sorry. If I was to speak French, my high school French would blend with my second language, which is Norwegian, which I'm not sure would be very useful. So today I want to talk about breeding systems and how they potentially shape the dynamics of salmonids. And so I'll talk a lot about Atlantic salmon and about brook trout. So what is a breeding system? Basically, it's the animal's reproductive effort. How much energy does it put into reproduction? It's mating behavior. And then I'm going to ask how that potentially shapes the populations that come out of that. So after the breeding, what does the population look like after that? So in essence, it sets the stage for the breeding system. It's the reproductive investment, how much energy or an investment in gonads is put in by the female or male. And it often involves a trade-off between the number of offspring produced and the survivorship of the individual in his future to reproduce again. So, and we'll see that in salmonids, there's an extreme amount of variation within population, but also among populations and among species. So how do Atlantic salmon and brook trout compare to others? And can we begin to see some general patterns? So this is the first slide I wanted to show you. Basically, we have two groups here. On the right, you see with Semelparis fish, we call those big bang breeders that breed once and die. Those are the Pacific salmon. And on your left side is the Heteroparis species that breed more than once. And so you can see in terms of the energy that they expend during reproduction shown on the y-axis, that the Pacific salmon that breed once and die are big bang breeders that put all their energy into reproduction, whereas those that survive to breed again produce less. And you can see that there's actually a difference between Atlantic salmon and brook trout. Atlantic salmon typically invest more during reproduction than brook trout, and we'll see that that has repercussions about their likelihood to breed again. So I wanted to show this slide. Basically, this is comparing fish that are migratory, anadromous, go out to sea and come back, and resident fish that stay in the same system and breed. So we can see that the residents are shown in the clear bars. The gray bars show the anadromous individuals. And it's clear that if we looked at the investment in gonads, we call that the gonad somatic index, the amount of energy or size of the gonads relative to the body weight of the fish, that anadromous fish are investing far more in gonads than are the resident fish. So, and we can see that in Atlantic salmon and brook trout, this pattern is the same. We see that the anadromous individuals are investing more in gonads than the resident, and both the same in the brook trout here, that those that are anadromous are investing more than those that are migratory. And we can look at that and ask, how does that actually influence the likelihood of repeat breeding? What's the likelihood they're going to survive after they breed that one time? And again, you could look at anadromous and resident fish, and you can see that there's a difference in that the likelihood of anadromous fish breeding again is less than that of the resident fish. So there's real cost in going to sea for these fish, although they're investing more in their reproduction. And we can see the pattern is the same in the Atlantic salmon and the brook trout. Again, if you remember from the previous slide, that the Atlantic salmon was investing far more in its gonads and energy, and its likelihood of breeding again is quite low, generally speaking, less than 10%,
Whereas with the brook trout, it's up here over 20%, maybe 25% chance of breeding again. So, and just to give you a flavor of what it looks like for the salmon that actually do breed again, this is a study we did looking at what we call kelts. Those are repeat breeders that leave the sea or leave the stream after they've bred. They're leaving in April and May, and they leave looking like this. In Newfoundland, we call those slinks for an obvious reason, because they're so long and skinny, so they've lost all sorts of energy. But out in the ocean for just 2 months, they increase in body size quite considerably. And they have about, in this population, about 28% chance of survival. So they do actually quite good. This is an extraordinary population in terms of repeat breeding in Atlantic salmon. The increase in length, maybe 3%, 4%, but they double their weight, over double their weight in less, in little more than 2 months during that period when they're out at sea. So really there's a huge amount of energy food out there for them. So an incredible increase in their size in that short period of time, gorging themselves probably a lot on capelin. So just to sort of summarize the reproductive investment, there's clear life history trade-offs between the likely amount you invest in reproduction and your likelihood to repeat breed. And it affects not only how only individuals, but also shapes the populations. It'll influence the genetics of different life history traits that are expressed and ultimately the dynamics of the populations that are involved. And as a consequence, we often see that it's resulting intense natural and sexual selection that results. How do the individuals compete for breeding inbreeding competition? So I just want to briefly go over a framework for how sexual selection operates, just a basic framework for all organisms. Basically, we can think of males, they produce cheap gametes, they produce millions of small gametes. Females produce thousands of gametes, but much larger. So there's a great investment by females in gametes. They also tend to, and even in the salmonids, are involved in parental care, less so in the males. So in the salmonids, the females are creating the nest for the offspring. So there's an investment in that. So that means their potential rate of reproduction, chance they can breed again quickly, is less for females than it is for males. Basically, the females have to recover more energy before they can breed again than males. So that creates what we call an operational sex ratio. That is a ratio of sexually active males to females in the population who is breeding at a given time. And that's also going to be affected by the sex ratio of the fish that come back, the basic sex ratio, but also the likelihood that resources are aggregated or mates are aggregated in space and time. And what we see in salmonids is that females breed in about 4 to 5 days. Males have the capability of breeding for 3-4 weeks, the period of time. So it means at any one time, there are more males that are reproductively active than females. So as a consequence, there's more male competition for access to females. And we see how this operational sex ratio leads to new things. Intense mating competition amongst males for access to females. Generally low maintenance. They're really not caring too much about who they're mating with. Whereas the females, they have weak mating competition because they actually, it's easy for them to access mates. There's lots of them, but they're involved in high mate choice. Basically, they invest a lot of energy. So they have a real cost to pay in ensuring that they get the proper mate that they want to have. So how does this influence the salmonid system? Just to show you some examples. Of course, we get mate competition. We have a female in here spawning, two males competing for access to her. There's intense competition. These are Atlantic salmon shown here. This is a brown trout. Intense competition, often battles going on amongst males to get access, close access to females, to control access to females when they're spawning. What does that lead to? Well, in a lot of salmonids, pretty much all the salmonids, it leads to specific, what we call secondary sexual traits, traits that develop simply for mating competition. And so this is the Atlantic salmon shown here. This is what it looks like at sea. This is what it looks like when it comes back. So it develops what we call this kite. It loses its breeding teeth, or feeding teeth, I should say. It develops a more canine-like teeth simply for mating. The jaw doubles in length during that period of time. And this just only occurs as they're coming back into fresh water. And then they develop this mottling red coloration, the males, again, for competition with other males, but also for choice by the female to entice the female mate. And it's not too dissimilar in what we see in brook trout.
We do get a development of the secondary sexual characters in the mouth, but much less developed than we see in the salmon. And of course, this incredibly beautiful, bright coloration that we see these fish exhibit at breeding. So again, it's all related to sexual selection, obtaining mates and choice of mates. Another thing that comes out of the Salmonid system is that there's this high variance of reproductive success amongst males. This is a result of strong sexual selection. And as a consequence, we get what we call alternative mating strategies, different ways for males to compete and access females. The pictures I showed you before was all the males fighting for access to females. Another method is to actually to sneak populations, to sneak in, to hide and jump in. So what we see in Atlantic salmon is that for populations, anywhere from 2 to 100% of the males mature early as par, well before they ever go to sea. So here's an example of two male par and the female here. And these guys are less than 1% the weight of the big anadromous males, those ones that have gone to sea and come back. But yeah, they can be quite successful. And the other thing that they do is while they're not investing in the secondary sexual characteristics, they're investing in gonads. And they invest about 2 times the amount in gonads for their given body weight than females do. Or males do, I should say, the large males do. And in brook trout, we see their continuum size from small to large, and these have consequences for reproductive success. We don't see the small par, but we do see a continuum of sizes with males maturing earlier than females, yes. So in the Atlantic salmon, we can see that they're sneaking fertilizations, and in some populations, they contribute anywhere from 11 to 65% of the spawning eggs, fertilizing the eggs in those populations. In brook trout, we see that peripheral males are often somewhere around 14 centimeters less than the other males. There can be three that may try to sneak populations during the breeding, and that they can fertilize anywhere from about 8 to 23% of the eggs that are in a given nest. So they can be highly successful. I just want to show you the implications of this for a study down here on the south coast, just across from Saint-Pierre-Miquelon. And in 2013, there was a large escapement of Atlantic salmon from net pens. There was 20,000 escaped. That was equivalent to the size of the wild population in that area. And that as a consequence, there was interbreeding across this whole region in about 18 populations, where we can see the wild fish are the blue, purple fish are hybrids between wild and farm fish, and the red are the farm fish. So there was large amounts of interbreeding, though the farm fish did not breed as well and successfully as the wild fish. But the presence of the par in these populations and the farm par were maturing, so that they've never gone to sea, they can mature at quite a high rate. Their breeding success from studies that we've done can be higher than the wild par in those environments. So this is a way for those genes that have been introduced the first time can be introgressed and further included into the population by par. The par, these farm par are maturing. They never have to go to sea and experience selection in terms of their traits, and they can breed again quite quickly in those environments. So we can see that the competition shaped by for mates is important for what's happening in the system we see amongst males. Life history traits and evolution, it affects the genetic structure because we have these different individuals and males competing. But what's the female role? And I want to go through this fairly quickly here. So females, if we think about females, we often think about their fecundity. And on the x-axis, you can see the female size. And the fecundity is shown here. And you can see this red line shows the fecundity of females and populations. It is accelerating, but at a decelerating rate. So large females, for their size, are not producing as many eggs because they're investing more in larger eggs. But what we see is that if we look at reproductive success of these females, the number of surviving eggs they have, it's an accelerating curve. So larger females are doing considerably well, better than the smaller individuals, just beyond their fecundity. So it's much more than fecundity, it's other things in the population. And we talk about these as maternal traits. What does mom contribute to the survivalship of her offspring? And there are three things that we can look at here is the size of eggs that mom produces, the time at which she breeds, she determines when the breeding occurs, and she determines where the nests are placed in the environment.
So in terms of egg size, basically for females, there's a trade-off. She has amount of energy for ovaries, and she can produce many small eggs from that amount or fewer large eggs. And what's the trade-off for her? Well, this graph basically shows the relationship between habitat quality and growth of the individual offspring from large and small eggs. So you can see at high habitat quality, there is a little difference in the quality of egg influencing survivorship of the offspring or the growth. But down here at the low habitat quality, performance of large eggs is considerably greater than small eggs. And these are paired groups, I should say. These are from a female producing large and small eggs compared in various habitat qualities. So clearly an influence in egg size and performance. In terms of breeding time, again, what we've done here is we take a female, she's fertilized by one male, she's fertilized early or she's fertilized late. So basically the same genetics, the only difference is in the time that she's fertilized. How does that influence performance? We looked at the survivorship of their offspring 17 days and 44 days after emergence. And we can see that it influences the body size of those individuals. Not surprisingly, early hatching individuals, emerging individuals are larger than those emerging later, and the mortality of those early individuals is less than those that are later emerging. So there's this benefit to early, under this condition, early emergence in these populations. So the breeding time is important. Obviously, if the breeding time is too early, then it can have a negative effect. So it's probably a dome-shaped relationship. The final thing I want to talk about is nesting location. And here we think about, when you think about managing salmon populations or trout populations, we often think about how many fish are in a given area in a stream. And so we just, what we call conventional density, we just assume is just distributed evenly throughout the stream, and there's no influence there. But the females are not distributing themselves evenly throughout the stream. They're identifying pockets of areas that they prefer to breed in. And so what may appear to be conventional density when we talk about stream as a manager is actually the effective density is much different because the females are clumping into particular areas. And that leads to differences in competition that individual females' offspring are going to experience. And it has important ramifications. So just to summarize, we've seen that the conclusion that basically the breeding system is shaped by reproductive allocation, how much energy is invested, and the size of the gonads. Competition for mates amongst the males particularly, and competition for breeding resources, that is the key influence in the females. That's shaping the life traits and life history evolution, basically the genetic structure of the populations, and ultimately the female's importance is in the offspring performance, how will your offspring do? And this basically sets the stage for the population dynamics that we see. So with that, I'd just like to acknowledge all these individuals who've helped over time. Merci. I don't think I need it. What are the differences in terms of mortality between the males and females? Because for the males, I mean, competition is there, but it's associated with a high level of stress. So did you see some differences between the two sexes, you know, in the slides that you showed the risk of mortality after a first season, for example? Yes, that's an excellent point, is that while the females are investing more in gonads, the males are investing more in activity and also all the injury that comes with competing. So in fact, what you see is that the males actually have a lower likelihood of repeat breeding in most populations. So in Atlantic salmon, for instance, and it's roughly about 10% of the females across all populations that will breed again. But for males, it's usually about 2-3%. So yeah, it's a very different, because all the stress you're talking about is playing an important role. Did you see what the likelihood of a repeat reproducer was? You said that there was about 10-15% chance that a salmon an Atlantic salmon would reproduce a second time. Was there any follow up for a third or fourth? Like, were those animals more likely to reproduce again? Yes, I had a Norwegian student who did a lot of this work, and she actually found that those that bred the first time and repeat bred had a higher likelihood of repeat breeding again
than what we call maiden fish, the first time breeders, which is kind of surprising. We didn't expect that. So in the population that she was working in the Campbellton River on the north coast of Newfoundland, she had fish that had repeat bred for 4 years, so four times. So, and most, they should say, in North America, the repeat breeders that we see a lot of, at least in Newfoundland, are what we call consecutive. They go out the same year, they come back 2 months later and breed. But in Europe, we see there, a lot of them are what we call alternate. So they go out, they breed, they go out, they spend a whole winter at sea before they come back. And their survivorship is considerably lower. Has there been any studies done on the survivorship of their offspring? Ah, good question. No, but one of the interesting things about the differences, if we looked at the ones, these consecutive breeders, they go out and they feed principally on capelin. And so they're coming back and they actually don't have as much access to the carotenoids. So if you look at their eggs, they're much paler than the eggs of a first mating spawner that's gone up to Labrador Sea and Davis Strait before it's come back. So they're accessing different food sources that have influences on the carotenoids, which might be related to dealing with some of the stresses that go on the eggs experience. So it's a really interesting question, but no one has really actually looked at it. Si j'avais une autre question, je me poserais un peu plus tard à la poste. Maintenant, on va enchaîner avec Théorie 3 de Brillant. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler du bilan qu'on a dressé pour le projet Anglaise PM, donc sur l'angle de Fontaine dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc le projet Anglaise PM, c'est un projet qui a été financé par la Fondation de France sur 3 ans et qui vise à accompagner la transition vers une pêche sportive durable de l'angle de Fontaine sur l'archipel et aussi de développer l'écotourisme autour de cette espèce. Donc en fait, sur la diapo, on voit l'ensemble des partenaires de ce projet. Donc c'est un projet auquel a répondu la Fédération de pêche qui est ici représentée par Robert Langlois et l'association de pêche de Saint-Pierre-Langlade, représentée par Nicolas Cornier avec Fabrice. Donc c'est pour répondre à l'appel à projet les futurs du littoral et de la mer. Ils ont répondu et ils l'ont eu. Et donc, ça a mené à ce projet dont les 4 principales actions sont les suivantes. La première était de synthétiser l'ensemble des connaissances acquises et des travaux menés sur l'angle de Fontaine dans l'archipel. Ensuite, pouvoir les compléter par des travaux supplémentaires et les comparer avec des données extérieures à l'archipel. Ensuite, c'était de finaliser le cahier des charges pour l'ensemble du bâtiment qui est la maison de la pêche et de la protection des milieux aquatiques. La suivante était de développer une stratégie d'écotourisme autour de l'espèce de l'angle de Fontaine et finalement de mettre en place une gestion participative de la pêche sportive sur l'archipel avec l'utilisation de nouvelles technologies. Donc c'est sur la première action que je suis intervenue pendant environ 8 mois. Ça a consisté en aller chercher des informations chez différents pêcheurs, chez différents acteurs des milieux aquatiques dans l'archipel et de fouiller dans pas mal de caisses pour trouver des documents. Donc, la pêche à l'angle de Fontaine, pendant longtemps, ça a été une nécessité au début. Au début, ça a été une nécessité pour se nourrir. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu une activité récréative. Mais il y a quand même eu des expérimentations, notamment en pisciculture, dans le début des années 80, notamment avec la pisciculture de Miquelon, qui a été menée en parallèle d'une étude sur la production naturelle des cours d'eau en salinité dans l'archipel, afin de comprendre quelle était la productivité naturelle, des cours d'eau de l'archipel pour orienter les études, la pisciculture ensuite. Donc sur l'image, on voit à la fois les closeries du renard et les cages marines qui étaient dans le grand étang du clan. Donc encore une fois, en haut à gauche, les closeries avec des bassins de grossissement. Et aussi en bas à droite, et cette fois c'est pas à Miquelon, c'est à Saint-Pierre dans l'ancien frigo qui est au bout du quai du commerce. Donc il y a aussi des expérimentations qui ont été menées, mais là plutôt pour l'ensemencement. Donc en fait, les,
les objectifs étaient divers. Hein. Dans le cas de Miquelon, c'était à la fois l'ensemencement, mais aussi la voir si c'était possible de produire des salmonidés dans l'archipel. Et voilà. Donc là, les études ont été menées en parallèle des expérimentations. Ça a permis de caractériser les populations de l'archipel. Donc, c'est une étude qui a été menée dans deux types de milieux. Donc, le cours principal des ruisseaux côtiers ainsi que les affluents frayères de l'étang minérant. Donc ça a permis de décrire la structure d'âge, de densité, la densité et la biomasse des cours d'eau, et aussi la structure de taille, la croissance et la distribution sur l'habitat des populations d'eau. Donc finalement, les prélèvements ils ont été faits par pêche électrique, par sondage et par pêche à la ligne. Il y a des techniques qui ont été utilisées pour la détermination de l'âge avec la scalimétrie qui est l'étude des écailles. Donc ça, c'est... Merci. C'est une étude qui a été menée par Alexis Champignol en 2000. D'autres résultats qui ont été observés, c'est aussi le fait que les densités et les biomasses moyennes étaient bien supérieures dans les affluents de Guérande. Donc ça a permis de conclure sur certaines choses. La même étude encore a permis de comparer les dominances de taille entre les différents milieux et aussi de comparer les dominances d'âge au sein d'un même milieu. Et cette fois, ça a mené à des observations comme la densité, lorsqu'elle est plus faible, amène une taille plus grande qui est plus forte, et aussi les préférences au sein d'un même milieu en fonction des classes d'âge. Donc, comme quoi les poissons de moins de 1 an, par exemple, préfèrent les zones profondes à couvert important. Donc, pour ces études, il y a des inventaires par pêche électrique qui ont été faits, mais ces inventaires, ils ont perduré au cours des années et ils ont permis de faire des comparaisons au sein d'un même ruisseau, par exemple, des tailles des individus. Donc là, on voit, par exemple, au sein du ruisseau de la Carcasse, qui est un ruisseau de Miquelon, la répartition des tailles dans le même ruisseau, et aussi de comparer année après année l'évolution de la taille du nombre des angles de fontaine sur donc là c'est depuis 2003. En parallèle de tout ça a aussi permis d'observer d'autres populations de poissons de l'archipel. Donc là on a l'anguille d'Amérique donc sur le ruisseau de la Carcasse, et aussi ça a permis de constater la présence du parasite du point mort. Enfin, les pêcheurs en avaient déjà parlé, mais de faire un suivi de l'atteinte des poissons par ce parasite. Donc cette fois, Julien Prénat, en 2013, a lui aussi fait des études qui ont permis de décrire les migrations de poissons au sein des cours d'eau de l'archipel. Donc, l'angle de fontaine est un poisson anadrome, donc il y a des angles de mer qui vont faire une partie de leur cycle en mer. Et donc, ça a été observé grâce à des marquages de poissons, soit par marque mâchoire, soit par l'ablation de la nageoire adipeuse. Puis ensuite, un suivi de ces marquages par pêche à la ligne, par sondage, par piégeage. Et donc, ça a permis d'observer qu'il y avait à la fois des migrations entre les ruisseaux côtiers et la mer, mais aussi des migrations au sein du système mirand. Ils ont vu qu'il y avait une insuffisance ou un manque de zones de reproduction sur l'archipel pour l'angle de fontaine. Et ce qui a été observé, c'est que possiblement les angles se sont adaptés au niveau comportemental en allant non pas frayer dans les ruisseaux, mais en allant frayer sur des lits de gravier en milieu lacus. Ces études elles ont aussi permis de faire un suivi du milieu et donc de caractériser, surtout au niveau de la physico-chimie, les cours d'eau de l'archipel. Et donc aussi de remarquer qu'il y avait certaines caractéristiques un peu extrêmes dans l'archipel auxquelles les poissons réussissaient à dans lesquelles les poissons réussissaient à survivre, notamment au niveau du pH qui est relativement acide pour l'espèce. L'étude du milieu aussi, ça a été de constater que possiblement tout ce qu'on faisait nous les humains avait un impact sur la biologie du poisson. Alors, ici, pour ceux qui ne sont pas de l'archipel, vous êtes sûrement passé plusieurs fois devant, c'est l'étang Bouleau. Donc on voit
en haut à droite, un comblement qui a eu lieu entre 1952 et 2005. Je n'ai pas l'adresse, la date exacte, mais ça amène à se questionner sur les conséquences de ces aménagements. Encore une fois, des aménagements avec la digue de Mirande et son impact sur l'eau. Alors finalement, le projet Amplage PM, il a permis de partager ces informations qui étaient dans des boîtes à l'origine grâce à des présentations qui ont eu lieu au cours de mon mandat, mais il y en a eu d'autres. Donc celle-ci, c'était au début, et on a aussi partagé l'information à la fin de mon mandat, mais au cours, on se trouve au début du projet. Et ça a aussi mené à des publications avec le rapport de synthèse et une publication de Julie Viana, qui aujourd'hui qui va vous parler après. Et voilà. Et ça a aussi permis la création d'un site web, enfin d'une page Facebook pour partager l'information en lien avec le projet. Donc voilà, je vous remercie. Merci, nous avons le temps pour une question. Oui, j'ai vraiment des questions, j'ai plutôt quelques remarques. Donc, je pense que vous avez vu les dates, donc 2021, donc ce n'est pas évident de présenter un travail qu'on a fait il y a 2 ans. Donc, je te remercie, je te félicite. Tu voulais souligner la qualité, la quantité de travail que tu avais faite. Parce que, comme dit souvent Daniel Poli, il dit « il y a toujours des données ». Et moi, quand j'ai commencé, on m'a dit « il n'y a pas de données, c'est compliqué ». Donc, tu as fait un travail qui, en fait, a permis au projet de partir sur de bonnes bases. Évidemment, c'est des choses qu'on peut toujours compléter. Mais tu as compilé, donc près de 180 pages, l'état de l'art, l'état des connaissances, l'état du travail qui a été mené sur l'archipel. Et donc, ça nous sert. Et j'ai regardé ce matin, il est énormément téléchargé, le document. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a un intérêt sur ce genre de travail qui est fondamental pour ne pas réinventer en permanence la roue. La deuxième remarque que je voulais dire, c'est qu'il y a 40 ans, on était bien plus avancé qu'aujourd'hui. Et on est passé, même moi qui suis de l'archipel, je n'avais jamais vu le bâtiment, hein. Donc les photos sont intéressantes, sur la carcasse. Quand nous sommes passés, quand nous sommes allés au Grand Barrefour, évidemment, nous ne l'avons pas vu parce que tout a été détruit. Et j'ai retrouvé, mais je m'arrêterai, les personnes qui avaient fait ça à l'époque. Donc c'est, voilà, on était plus avancé il y a 40 ans. Merci. Pour rebondir sur ce que tu dis, Fabrice, c'est vrai que j'ai été très étonnée quand j'ai commencé à mettre le nez dans les documents de voir tout ce qui avait été fait. Et j'avoue que ça m'a redonné espoir pour l'archipel de voir à quel point il y avait des gens motivés à l'époque à faire des choses pour l'archipel et à quel point on avait déjà une base en fait. Finalement, moi j'ai juste mis ça dans un rapport, mais il y a des gens qui ont fait des choses géniales et dont il faut vraiment se resservir pour la suite, quoi. Merci. On va donc passer à la prochaine présentation, donc Brian Tristan. Bonjour à tous. Donc, comme on va me présenter, je m'appelle Tristan Brian. Donc, j'ai effectué un stage de Master 2 pendant plusieurs mois sur l'archipel. Et donc, je suis venu vous parler d'une partie des travaux que j'ai réalisés durant cette période, donc qui portent sur la caractérisation des habitats de l'angle de Fontaine à Saint-Pierre-Miquelon. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc, l'archipel, c'est 3 îles principales, donc Miquelon, Langlade et Saint-Pierre. Donc, un des premiers défis qui a été lancé et auquel a été réalisé, c'était tout d'abord d'effectuer une hydrothèque de l'ensemble des cours d'eau et bassins de l'archipel, c'est-à-dire faire un inventaire, répertorier l'ensemble de ces hydrosystèmes dans une base de données et délimiter les différents bassins versants qui composent nos îles. Qui a donc été effectué grâce à un logiciel de SIG. Juste pour remettre la transition, parce que j'ai oublié. Donc, sur Miquelon, on retrouve 27 bassins versants, plusieurs cours d'eau, plusieurs plans d'eau, dont l'un qui fait l'objet de différents projets et auxquels vous avez pu visiter lors de notre passage sur Miquelon, donc Mirande,
qui donc historiquement avait une connexion à la mer, qui s'est vue bouchée et donc qui a pour projet une réouverture pérenne du milieu. Et autour de ça, tout un suivi de la population piscicole, mais aussi arthropode qui est dans le milieu. Concernant l'Anglade, donc 21 bassins versants, plusieurs cours d'eau, plusieurs plans d'eau, dont un principal, la Belle Rivière, qui est donc le plus grand cours d'eau naturel avec 22 km de linéaire. C'était une ancienne zone de reproduction du saumon, mais des études récentes ont prouvé qu'il avait totalement disparu du milieu. Et enfin Saint-Pierre, donc sur lequel j'ai énormément travaillé, qui est donc composé de 21 bassins versants et qui représente finalement l'île où l'impact humain est le plus important de par sa population, donc de 6000 habitants sur ce petit caillou. Donc comme vous pouvez le voir, 14 bassins versants, donc ici classés du nord au sud. On peut citer le Cap au Diable, les quatre mers de l'Arpissouze, mais aussi le plus grand bassin versant, donc Savoyard. Et certains de ces bassins versants, comme le disait avant Eve, ont subi d'importantes modifications au cours du temps. Donc moi, je vais vous présenter celui de l'aéroport, donc, qui, comme son nom l'indique, s'est vu doté de cette infrastructure qui est venue totalement rembler ce système qui a aujourd'hui perdu tout un intérêt écologique, si on peut dire. Donc, pour aller plus en profondeur, j'ai choisi 8 bassins versants parmi ces 14, car c'était compliqué de bosser sur l'ensemble du territoire. Et ces 8 bassins versants ont été choisis selon 3 critères principaux. Donc, tout d'abord, les zones d'intérêt piscicole, donc, qui ont été établies selon la capacité d'accueil des recrutements qui a été décrit par Prena dans son plan de gestion. Les températures élevées qui ont été observées. Donc, ces températures seront comparées avec celles, ont été comparées avec celles de l'Amble et aussi avec d'anciennes données afin d'évaluer la tendance thermale de ces cours d'eau. Et enfin, la prolifération de végétaux qui a été signalée, qui reflète souvent un niveau d'eutrophisation important. Donc, voici les 8 bassins versants qui ont été étudiés durant cette étude. On peut voir que finalement, on a des bassins qui sont totalement isolés et d'autres qui sont finalement au niveau de la ville, comme celui du pain de sucre. Donc, au sein de ces différents bassins qui ont été choisis, des prélèvements et un diagnostic a été effectué. Donc, cela a été fait en 2 parties. Donc, tout d'abord, une partie inaccessible en voiture, donc une jolie randonnée de 12 km, en passant par Tello, Trépied Télégraphe, Le Far au Diable et Frécœur. Et une deuxième partie, cette fois en voiture, avec le milieu Savoyard, le pain de sucre, Richepomme et Gouélon, qui sont ces deux composantes du bassin versant Savoyard, et Lens-Saint-Pierre. Et le tout a été effectué 26 fois afin d'obtenir un suivi durant toute la période estivale. Donc, à côté de ça, durant ces prélèvements, un diagnostic terrain a été effectué afin de déterminer les différentes composantes favorables et défavorables au cycle biologique de l'Amble de Fontaine. Donc, on peut citer notamment les zones favorables à la reproduction dans ces cours d'eau. Donc, ici, pour citer, il s'agit du trépied télégraphe, représenté en rose, et aussi des zones finalement qui viennent empêcher la migration de l'Amble de Fontaine, qui ici finalement empêche la connexion à la mer avec des chutes inconfortables. De plus, pour certains de ces plans d'eau, une bathymétrie a été effectuée, ce qui a permis d'observer finalement des profondeurs assez importantes dans certains des plans d'eau qui finalement on n'avait pas de données là-dessus, et pour certains on ne savait même pas qu'il y avait une telle profondeur présente, et ces profondeurs sont finalement des caches thermales qui permettent aux poissons de venir s'y réfugier quand les températures estivales sont importantes. Donc, comme je l'ai dit, cette cartographie est effectuée sur les 8 bassins versants choisis. Donc, concernant la physicochimie qui a été réalisée à partir d'une sonde multiparamétrique, donc ici on peut voir l'évolution de la température durant toute cette période. En plus de la température, d'autres paramètres ont été mesurés. Et on peut finalement
voir une réelle différence entre les bassins. Et les principaux paramètres où on peut voir cette différence étaient donc le pH, l'oxygène dissous, bien sûr la saturation, la conductivité et le potentiel d'oxydoréduction. Et cela a permis donc la réalisation d'une ACP qui permet une catégorisation finalement de ces bassins. Et à partir de cette ACP, on peut voir que deux bassins versants sortent du lot. Donc tout d'abord Savoyard, de par ses conditions favorables à l'ambre de Fontaine, et le milieu qui représente tout l'inverse. Et on peut voir aussi, malgré qu'un petit territoire comme celui de Saint-Pierre, de réelles différences, notamment par rapport au pH, avec plusieurs bassins qui ont un pH très acide. Donc, pour revenir sur ce pH, donc, finalement, on observe que les quatre bassins versants, qui étaient pourtant les plus isolés, représentent les pH les plus faibles, donc inférieurs à 5. Donc ce pH est dû finalement à la géologie de Saint-Pierre qui est très variable et ces quatre bassins sont situés dans des milieux de tourbière qui sont donc des milieux très acides et qui vient apporter son lot au pH du milieu. Donc ce pH est un critère très important, comme le disait Eve, d'habitabilité de l'ambre de Fontaine. Et donc, lorsqu'il est inférieur à 5,5, les études montrent qu'il y a un impact, notamment un impact sur sa croissance, lorsque le pH est inférieur à 5,5. Et finalement, malgré ce pH très faible, on observe tout de même des populations assez importantes dans ces cours d'eau. Et cela, finalement, peut venir répondre à une des questions que beaucoup de pêcheurs se posent et qui m'ont beaucoup posé lorsque je faisais mon terrain, c'est pourquoi, finalement, avant, on avait des populations, on avait des grands poissons, et aujourd'hui, les poissons, ils sont petits. Alors, finalement, si on relie ces conditions rudes du milieu avec la pression de pêche assez importante que présentent ces îles, l'ambre de Fontaine n'a finalement pas le temps d'atteindre des tailles assez importantes et tous les gros poissons ont finalement déjà été pêchés. Donc cette analyse a permis d'effectuer une analyse physico-chimique qui rencontre des conditions difficiles de nombreux bassins versants de l'île. Mais malgré ces conditions difficiles, on observe l'ambre de Fontaine présent dans tous ces bassins versants, et cela depuis des milliers d'années. Donc on peut finalement parler d'une adaptation locale qui devrait être approfondie. Et pour favoriser la reconstitution naturelle des populations, des travaux pourraient être envisagés, donc comme je vous l'ai dit sur Savoyard, pour essayer de préserver ce milieu favorable, mais aussi sur le milieu pour essayer de retrouver ce milieu favorable. Des profondeurs intéressantes ont aussi pu être relevées durant cette étude, au-delà de 4 mètres, ce qui représente des profondeurs assez importantes à l'échelle de l'archipel, et donc sur de potentiels refuges thermiques pendant l'été. Il serait intéressant donc d'étendre ce travail à l'ensemble de l'archipel pour identifier d'autres zones de refuges thermiques, mais aussi pour identifier d'autres plans d'eau favorables au repeuplement et à la pêche sportive, comme le prévaut le projet Ambespen. Donc, merci de votre attention. Pas 4 minutes pour des questions. Tu mettais l'accent sur le pH, en disant que le pH peut amener une moindre croissance, mais en fait aussi, tu as parlé d'adaptation locale. Ce sont des milieux qui sont naturellement acides dans les tourbières. Donc, je me demandais si ça ne vaudrait pas la peine de regarder les différences de résistance entre les populations. Est-ce que tu pourrais avoir effectivement des bonnes, tu sais, ce qu'on retrouve ailleurs comme effet de l'acidité? Peut-être que tu ne le verrais pas si tu as vraiment des adaptations spécifiques, puisque les poissons occupent ces environnements-là depuis très longtemps. Bah oui, c'est une perspective qu'on a mis à ce travail, c'est finalement bosser plus sur les souches locales pour essayer de voir les résistances de ces souches finalement aux conditions difficiles. Merci. Oui, Tristan, donc tu as évoqué effectivement le pH qui limitait donc la croissance des poissons, mais tu as entendu parler donc de la partie alimentaire. Donc, c'est évidemment la densité de l'alimentation, la disponibilité de nourriture, est également donc un facteur limitant en termes de croissance.
voilà, il y a également cela qui, sans doute, est un élément à avoir en main, voir donc mieux connaître encore, je pense, l'évolution des populations. Quoi. En effet, après j'ai mis l'accent sur le pH pour prendre un exemple, mais c'est finalement quelque chose de multifactoriel. Et là, il s'agit d'un petit panel de paramètres physico-chimiques, mais durant ce stage, des échantillons d'eau ont aussi été prélevés afin d'approfondir l'analyse et voir si finalement d'autres composants pouvaient venir impacter cette croissance, voire impacter la population en amont. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ma question, c'est pour dire que la balade de cet après-midi de 12 km, vous voyez la quantité de travail qu'il a fait. Donc, Tristan se propose de le suivre cet après-midi. Donc, ceux qui veulent faire cette jolie balade, que j'ai découverte avec lui cet été, je dois être honnête avec vous. On a vraiment un archipel qui est incroyable. Donc, si vous voulez, on va aller à la pause avec lui. Voilà. Merci. J'espère que vous aimez manger des fontaines, si vous en mangez cela. Donc moi, je suis Julie Dana, je suis en deuxième année de doctorat que je réalise avec Fabrice Elchia, puis Céline Nadé. Donc c'est un peu avec le Québec, l'ISMER, à Rimouski. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des travaux que je réalise actuellement. Donc, comme Eve a pu le dire, l'onde de fontaine sur archipel, c'est une espèce patrimoniale. Les pêcheurs sont extrêmement attachés à ce poisson, qui est la principale espèce des eaux douces qu'on peut retrouver ici. Puis c'est un poisson qui est donc une ressource alimentaire, mais également une espèce très prisée en Amérique du Nord et sur archipel pour la pêche sportive. Donc là, excusez-moi. Comme là avec par exemple un concours de pêche qui était organisé sur archipel en 1958, donc il y a un vrai historique sur cet archipel avec cette espèce-là. Puis c'est une espèce qui est vraiment intéressante parce qu'elle a plusieurs écotypes, comme a pu le dire Eve également. On a des individus qui sont anadromes, donc ils vont aller en mer, ils ont une partie de leur vie, puis d'autres qui vont rester en eau douce toute leur vie. Donc ça c'est intéressant parce que ça a des implications notamment sur la connectivité génétique entre les différents groupes. Donc, mon projet de thèse, il s'implique dans le projet Omble SPM. Et donc, Eve vous a fait un petit peu le background de toutes les connaissances qu'on avait sur l'archipel pour cette espèce-là. Mais ça met aussi en lumière le manque de connaissances qu'on peut avoir sur certains sujets. Puis, ma thèse, elle a pour objectif justement d'apporter de nouvelles connaissances. Et donc, on a décidé de s'intéresser en particulier à la connectivité génétique. Donc les flux de gènes, les flux d'individus qu'on peut avoir entre les différents hydrosystèmes de notre archipel. Donc ces données, on espère qu'elles vont permettre une meilleure gestion des populations naturelles, avec notamment des recommandations de gestion à plus fine échelle, si nécessaire. Elles pourraient également permettre la mise en place d'un projet aquacole qui soit durable et surtout adapté pour l'archipel. On sait que l'aquaculture peut provoquer des dommages sur les écosystèmes naturels, avec notamment le relargage d'individus qui ne sont pas réellement adaptés à ces cours d'eau, puis qui vont venir malheureusement appauvrir les populations sauvages. Puis ça, c'est un truc qu'on ne veut pas sur l'archipel. Et enfin, un autre volet économique, ça serait le développement de l'écotourisme autour de l'espèce sur l'archipel. Ça, c'est notamment si on arrive à mettre en évidence qu'on a des souches qui sont génétiquement uniques. Chez nous, je ne suis pas l'archipel, je précise. C'est que j'aime beaucoup l'archipel. Donc, la question à laquelle je vais essayer d'apporter des petites réponses aujourd'hui, c'est quelle structure génétique pour l'ombre de fontaine de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, pour ça, j'ai réalisé une campagne d'échantillonnage en 2022, donc je suis restée 5 mois sur l'archipel. Puis, on avait défini 11 hydrosystèmes d'études. Donc, c'est des hydrosystèmes qui sont connectés à l'océan ou non, ce qui nous permettait, en tout cas, en pensée, on espérait qu'on allait avoir à la fois des ongles anadromes, puis des ongles résidents, pour essayer d'avoir une vue globale de la génétique sur archipel. Puis, on a une répartition sur les trois îles principales. Donc, sur Saint-Pierre, on a 3 cours d'eau. Sur Miquelon, on en a 4. Et on en a également 4 sur l'Anglade. Donc, je ne vais pas vous mentir, je suis très nulle en pêche. Donc, si on avait attendu que je puisse
pêcher les poissons, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, vous verrez dans les diapos d'après, j'ai des petites images de toutes les personnes qui m'ont aidé. Donc, quand on faisait notre échantillonnage, notre idée, c'était de prélever des nageoires pour pouvoir faire de la génétique. Puis ensuite, les analyses de laboratoire, on utilise des marqueurs moléculaires, donc des microsatellites. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail technique, parce que l'idée, c'est d'avoir un message clair pour les gens de l'archipel. Mais si vous voulez plus de détails sur toute la partie méthodo, on pourra en reparler après. Puis, à chaque fois qu'on faisait nos prélèvements, on prenait aussi des données de taille et de poids. Puis, on faisait des photographies. Donc, vous pouvez avoir un petit aperçu des différents poissons qu'on a pu pêcher, puis surtout des très jolies colorations qu'on peut avoir un peu partout. Puis, surtout, Mirande, on a aussi des individus qui sont anadromes. Donc, c'était ce que les pêcheurs nous disaient. Mais là, on a aussi une preuve, c'est que oui, il y a bien des poissons qui aimeraient partir en mer. Est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas, c'est d'autres questions, mais en tout cas, il y a des ondes anadromes sur ce cours d'eau-là, enfin sur ce plan d'eau-là. Hop là. Donc, comme je vous l'ai dit, traîner l'empêche, fait que je remercie toutes ces personnes. Puis je pense que globalement, je remercie toutes les personnes qui sont de près ou de loin impliquées sur le projet Ombles SPL, parce que c'est un projet porté principalement par Fabrice initialement. Beaucoup de motivation pour travailler sur son archipel. Mais surtout, une belle implication de l'archipel, je pense, pour faire bouger les choses, pour développer une nouvelle économie, pour comprendre aussi les richesses qu'ils ont sur l'archipel. Fait que, merci. Donc là, on va partir sur la partie des résultats. Si vous n'êtes pas très familier avec la génétique, je pense que globalement, il faut surtout regarder les couleurs. Il faut voir que si on a une structure génétique, on va avoir des patchs. Donc, par exemple, pour Saint-Pierre, puis Miquelon, si jamais c'était une même structure génétique, on aurait un chevauchement des couleurs. Puis là, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la structure génétique en pril, on a bien des différences génétiques assez marquées pour les trois îles. Donc, typiquement, un poisson que j'échantillonne à Miquelon, il est génétiquement différent de celui que je peux pêcher à Saint-Pierre et de même si je vais à l'envers. Après, l'idée, c'est de descendre au fur et à mesure dans l'échelle spatiale définie. Puis là, c'est un peu la même chose qu'on peut regarder. Encore une fois, c'est pour s'intéresser aux couleurs qui ont. Ouais. Mais sur Miquelon, si je prends l'exemple de Bellevue, c'est un étang qui est au-dessus du grand barrageois qu'on a pu visiter. Puis là, si je pêche un individu de Bellevue, généralement, il n'y a pas de doute. Il est unique à Bellevue, puis il est génétiquement différent de ceux que je peux pêcher sur cette île-là. Puis ça, c'est un peu pareil pour l'Anglade. En fait, à chaque fois, on a vraiment des systèmes qui sont génétiquement à chaque fois différents. Il y a une diversité génétique incroyable sur cette espèce pour l'archipel. Puis là, c'est pas fini. On descend encore plus dans les couches. Puis là, en fait, on va regrouper tous les hydrosystèmes, donc les 11 hydrosystèmes. L'idée, c'est de voir est-ce que j'ai des flux d'individus entre les différentes îles, entre les différents écosystèmes. Puis là, ce qu'on met en évidence, c'est qu'on a 5 groupes différents. On a donc Bellevue qui est sur Miquelon, qui apparaît comme étant génétiquement vraiment distincte des autres écosystèmes. Puis pour Mackin, Voile Blanche et Lanzarote, donc c'est des sites de l'Anglade. L'Anglade, c'est une île qui est la moins soumise aux activités humaines. Fait que c'est intéressant de voir que génétiquement, a priori, à chaque fois qu'on va dans un hydrosystème de style, on a des spécificités, puis a priori des populations qui sont assez uniques. Puis pour les autres hydrosystèmes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des patchs qui se superposent. Faites-le, ce qui veut dire que globalement, on a du mélange d'individus qui peut se faire entre les autres hydrosystèmes. Puis pour avoir plus d'informations, on peut s'intéresser vraiment à la structure génétique individuelle. Donc là, c'est l'ensemble des individus qui ont été échantillonnés, puis une colonne, c'est un individu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, pour Saint-Pierre, on a une couleur qui prédomine, c'est le vert. Fait que sur cet archipel-là, on a quand même des individus, si on prend ça au regard de l'ensemble de l'échantillonnage, qui ont une structure qui est quand même assez semblable, assez homogène. Puis pour Miquelon, là, c'est un peu différent, Mirande et Carcasse. Il y a un brinçage avec Saint-Pierre, alors que si on va sur Bellevue ou Sylvain, on a davantage une structure qui semble assez propre à Miquelon. Puis là, l'Anglade, c'est ce que je vous disais, c'est que là ça se donne dans la diversité spécifique. Voile Blanche et Mackin, c'est des systèmes qui sont
vraiment différents l'un de l'autre. C'est juste qu'ils sont tellement différents de tout le reste de l'échantillonnage qu'ils ont encore mis ensemble. Mais sur le graphique d'avant, on voyait qu'ils étaient réellement séparés. C'est juste que cette analyse-là ne permet pas de les différencier l'un de l'autre. Puis, ce qui est intéressant après, c'est d'aller s'intéresser à des petites anomalies qu'on peut voir. Sur Savoyard, on a deux individus qui sont complètement orange, donc qui, a priori, ne devraient pas forcément être là. Puis là, c'est là qu'on a un petit travail d'enquête qui commence, ça c'est fun. Mais donc, ces deux individus-là, ils ont été pêchés sur l'hydrosystème Savoyard, et en particulier sur l'étang de la Vigie. Donc là, c'est des individus qui sont normalement attachés à Lanceros sur l'Anglade. Donc on a plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'on a un petit poisson qui naturellement s'est rendu sur Savoyard, puis après est remonté le long de l'hydrosystème jusqu'à la Vigie. Le petit problème, c'est que la Vigie, il y a un barrage humain. Fait que notre individu ne peut pas sauter ce barrage-là. Fait que l'autre hypothèse, c'est qu'on a un petit pêcheur qui s'est amusé à y aller. Donc, c'est assez intéressant de voir comment nos résultats peuvent aussi mettre en évidence l'utilisation par le mixage d'individus liés à l'homme. Mais je vous assure qu'on a aussi des poissons qui, a priori, vont d'un hydrosystème à l'autre de façon naturelle. Donc ça, c'est plutôt bon signe aussi. C'est plutôt intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'on a quand même une continuité écologique. Donc, je pense que la question des races, c'est quelle structure génétique pour l'angle de Fernelle à Saint-Arnicant. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous avez beaucoup de chance, vous avez une diversité génétique vraiment intéressante. Si que ça demande la mise en place d'une gestion qui est adaptée pour pouvoir garder cette diversité génétique-là, parce que cette diversité génétique, c'est ce qui permettra potentiellement à cette espèce de perdurer malgré le changement global qui a l'air d'être à l'œuvre sur l'archipel, puis partout dans le monde. Mais c'est ça, je pense que ça va demander des belles réflexions sur comment on peut gérer toute cette diversité. Je vais en avance. Merci beaucoup. Avons-nous des questions? Vous avez 10 minutes à lâcher. C'est pour lancer les questions, hein. Ce serait bien qu'il y ait des questions. Non, moi je ne suis pas spécialiste de génétique, donc heureusement avec Céline et puis notre collègue Guillaume Ivano, on a mené ce projet. Je pense que ce qui est intéressant de souligner, mais c'est ce que tu as dit, c'est que même sur ce petit territoire, en fait, ce n'est pas du tout homogène. Donc on est vraiment au tout début des projets, c'est-à-dire que ce qu'on va continuer dans le cadre de ta thèse, c'est quelles sont les conséquences sur les performances des poissons. Est-ce qu'il y a des poissons qui sont tout petits, parce que génétiquement, de toute façon, ils ne poussent pas? Ou alors, est-ce que c'est parce que les gros sont tout le temps pêchés très vite? Ou alors, c'est parce que il y a des hétérogénéités avec des poissons qui poussent pas vite et puis d'autres qui poussent beaucoup plus vite. Et donc, au tout début, on aura la réponse à ces questions progressivement si on continue d'avoir des finitions. Et voilà. Et je souligne aussi ta capacité. C'est bien de dire que j'ai de l'énergie. Je souligne devant tout le monde ta capacité à fédérer des gens sur l'archipel. Tu n'es jamais venu. Bon, tu viens du Pays Basque, peut-être que ça aide d'avoir un certain tempérament, parce que tu as crapahuté dans tout l'archipel avec je ne sais pas combien de personnes, et c'est toi qui as fait ce travail-là, c'est personne d'autre. C'est pas moi, parce que moi je suis en métropole, et puis Céline est à Rimouski. Et donc, on a trouvé la bonne personne en fait, pour travailler ici, c'était sûr. Donc si vous aviez une autre question, je serais sympa. Tu parles du fait qu'il y a eu des petits mix, un petit mixage au niveau génétique. Quels pourraient être les impacts de ce mix? Tristan avait commencé un petit peu à en parler, mais c'est le concept d'adaptation locale. On a une diversité qui est très forte et qui a l'air vraiment marquée pour pouvoir plus en détail. Ça veut dire qu'on a des individus qui sont simplement spécialistes de leur habitat. Là, on va pousser pas un petit peu plus après avec d'autres analyses scientifiques, là, mais l'idée, c'est faire attention à cette diversité-là. C'est des individus qui sont adaptés à des conditions données, qui ne vont pas forcément être adaptés à d'autres conditions,
c'est important justement de permettre à ces poissons-là de pouvoir continuer à habiter dans des environnements qui leur conviennent, parce que c'est comme ça qu'on va préserver l'espèce, puis éviter des effondrements de population là, comme ça peut se faire dans d'autres endroits. Puis ça serait vraiment pas le fun pour l'archipel si on veut protéger cette espèce-là. Peut-être juste expliquer, parce que tu as pris aussi d'autres échantillons, tu as juste expliqué c'est quoi ta prochaine étape qui commence dès que tu reviens à Mousson. Alors, à chaque fois qu'on faisait nos pêches, on prélevait aussi des morceaux de branchies, puis des morceaux de foie. Puis ça, c'est l'idée derrière d'aller regarder, comme Fabrice a pu le dire, des indices, notamment la condition physiologique de nos individus, puis essayer de voir notamment des gènes qui sont impliqués dans des fonctions physiologiques importantes pour ces individus-là, notamment la croissance ou les réponses osmotiques de nos individus. La croissance, c'est intéressant parce que, par exemple, on va essayer de voir si on a certaines populations qui ont une croissance rapide, contrairement à d'autres. Donc là, ça veut dire qu'on a en plus des conditions qui sont propices pour ces individus-là pour mettre en place, pour allouer de l'énergie justement à ces fonctions-là de croissance. Puis ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes si on veut faire de l'aquaculture. Parce qu'en aquaculture, ce qu'on veut, c'est des individus qui sont capables de, par exemple, de croître rapidement, etc. Fait que ça sera peut-être des populations qui sont intéressantes à utiliser, à privilégier, en tout cas, pour ces projets-là. Merci. Comme on a les poids et qu'on a vu la présentation de l'or sur les podos, peut-être qu'on, je ne sais pas si la méthode de préservation sera pertinente, mais il faut qu'on parle. C'est une question peut-être plus générale sur, avec Tristan et toi, mais sur vos perspectives. Alors c'est pas pour mesurer dans les foies, mais vous avez parlé de l'influence du pH, et donc selon évidemment la géologie, mais on sait que le pH est lié aussi à la mobilisation de l'aluminium, qui pose un problème, qui fait une part dans la toxicité qu'on peut voir, et dans les influences en tout cas qu'on peut voir sur les populations de poissons. Alors, moi, je ne connais rien à l'ombre de Trentaine, j'ai un peu travaillé dans les Vosges, sur les espèces de trucs locales dans les Vosges, et on sait que l'aluminium couplé au pH peut avoir une incidence. Donc, est-ce que vous projetez de faire, justement, au-delà de certains paramètres de physico-chimio-optatique, un petit peu d'analyse de métaux? Je dirais que ce qui est fun sur l'archipel, c'est que beaucoup de choses restent à faire, c'est que je regarde Fabrice comme ça discrètement du coin de l'œil. Je pense que potentiellement c'est des gens qui peuvent venir par le futur et qui seraient vraiment intéressantes à avoir en plus comme données. Ouais. Là, c'était pas forcément prévu là, mais l'intérêt du congrès, c'est aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles questions. Fait que ça va être intéressant. C'est classique. Ah, c'est classique, hein, je ne réinvente pas la lune. Hein, ça a été montré au Canada, c'est bien fait partout, il y a des zones d'acidification. Une dernière C'est surtout pour rebondir sur ce que disait Laure. À la base, dans mon projet, c'était prévu d'analyser finalement la quantité de métaux lourds qui sont présents dans ces cours d'eau, mais finalement, on est à Saint-Pierre. On n'a pas beaucoup de matériel, donc toutes ces analyses passent par un envoi des échantillons, etc., en métropole. Donc finalement, les échantillons ont été prélevés et ils attendent seulement dans une chambre froide afin d'être analysés. On peut passer à la prochaine présentation de Céline Ré. Merci. Ça commence bien. Écoute, je vais juste commencer par rendre un hommage particulier parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous présenter ont été faites avec mon collaborateur depuis presque 30 ans maintenant, Louis Bernatchez, qui est décédé jeudi. Fait que je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué jeudi que je partais pratiquement des larmes au rire. C'est qu'en fait, dès que je captais le signal d'Éternel, je recevais les messages de sa famille pour me donner son état. Puis après ça, je repassais dans l'optique de cette découverte de Miquelon, puis des environnements, puis des gens avec qui j'étais. Alors jeudi, j'ai vraiment eu une journée en montagne russe. Alors merci à tous ceux qui l'ont marqué et qui ont été super gentils avec moi. Vous m'avez vraiment aidé.
Donc, alors je veux rendre hommage à Louis parce que à peu près tout ce que je vais vous parler avant qu'on arrive au projet avec Fabrice, ça a été fait en collaboration avec Louis Bernatchez, qui était un de nos plus grands biologistes des poissons au Québec, le plus grand. Donc, je vais vous présenter en fait deux projets, c'est-à-dire que je vais rebondir sur ce que Julie fait et aller vers un nouveau projet qui vient juste d'être entamé. Puis vous allez voir les liens qui peuvent être faits, je pense qu'ils pourraient être intéressants pour la suite. Donc, moi, j'ai foutu ça là-dedans. OK. Alors, l'anadromie chez les hommes, c'est un phénomène qui est vraiment complexe. C'est pas si simple que ça. C'est un poisson qui est étonnamment plastique. Donc, oui, en milieu côtier, on va avoir des écotypes résidents aux douces, des écotypes migrateurs aux mers, mais c'est une anadromie qui est très versatile. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, qui peut prendre différentes formes. En eau douce aussi, on retrouve des écotypes d'eau douce. Donc, je pense à mon collègue Pierre Magnan de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a travaillé pendant des années sur les écotypes pélagiques versus des écotypes benthiques au niveau de l'alimentation, avec des différences anatomiques qui sont importantes entre les écotypes et entre les formes. Donc, c'est un poisson extrêmement... qui va s'adapter à toutes sortes de conditions. Souvent, on le présente comme une espèce fragile, mais en fait, c'est une espèce étonnante. On va parler de stratégie et de tactique pour ce qui est de l'anadromie, parce qu'il y a aussi un autre aspect qui est assez étonnant, c'est-à-dire que dans certaines rivières, c'est les deux modes migratoires sont adoptés par des populations qui sont génétiquement différentes. Donc, sur le même cours d'eau, vos résidents rivières sont génétiquement différents de vos anadromes. On va parler à ce moment-là de stratégie. C'est mon collègue Julien Gatson de l'Université Laval avec Joe Rasmussen qui s'était, à un moment donné, qui avait travaillé sur ces définitions pendant un certain temps. Et par contre, sur d'autres rivières, c'est la même population génétique qui va donner finalement naissance aux deux écotypes. C'est-à-dire que suite à une même reproduction, certains individus vont adopter un mode migratoire alors que les autres non. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la complexité d'étudier ça, mais c'est quelque chose. Donc, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ce à quoi on s'attend. C'est un travail ce que Louis avait fait avec un de ses étudiants, Vincent Castric, et il avait comparé en fait la génétique de plusieurs rivières, donc le long du nord du Saint-Laurent, autour de la Gaspésie, autour du Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes, pour montrer aussi que plus les rivières étaient proches, plus on pouvait avoir des échanges, donc certains flux géniques, mais plus on était éloigné, plus les populations étaient différentes sur le plan génétique. On a travaillé ensuite ensemble sur trois rivières particulières. La rivière Laval, qui est sur la côte nord du Saint-Laurent, qui est juste en face de Rimouski. La rivière Petite Cascapédia, qui est une rivière de la Gaspésie, et la rivière Kennebecasis, qui était au Nouveau-Brunswick. On a comparé ces trois populations-là sur le plan génétique, sur le plan écologique, sur le plan physiologique et avec la télémétrie. Ça s'est fait avec Louis, ça s'est fait avec Alan Curry de l'Université du Nouveau-Brunswick et Fred Worski, qui est venu présenter ici l'année dernière, je pense, ou il y a 2 ans. Et Fred, à ce moment-là, était à la Fédération du saumon atlantique. Donc, ce qu'on a trouvé, là, je ne veux pas vous le dire parce que c'est assez, ça n'a pas d'importance. Je veux juste vous montrer qu'on a fait comme un arbre de décision juste avec nos trois populations, parce qu'on en avait une où on avait deux populations génétiquement différentes entre les deux écotypes, alors que dans l'autre, la Cascapédia, ce n'était pas le cas. Puis on en avait une assez particulière qui était la Kennebecasis, où les poissons, ben en fait, ils restaient quasiment tout le temps en estuaire, sauf pour la reproduction, parce que le milieu d'eau douce n'était pas un milieu favorable en hiver. Il était trop dangereux, les conditions, les risques de mourir, par exemple, de manque d'oxygène et tout ça, après au moment du gel, étaient trop grands, c'est une rivière pas assez profonde. Donc, et ensuite, on a regardé l'ordre de décision juste pour, avec les oui et les non, juste pour la Laval puis la petite Cascapédia. Puis on a arrivé avec quelque chose d'assez complexe, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment étudier les ongles anadromes, étudier les ongles résistants, c'est un gros défi. Et en plus, c'est différent d'une rivière à l'autre, c'est différent d'une région à l'autre. Donc, deux projets complémentaires. En fait, je vous présente surtout les commanditaires principaux. Donc, je ne reviens pas sur celui de,
que Julie vient de vous présenter, c'est celui qu'on fait à Saint-Pierre, où on compare les anaérobes et les résidents, donc dans différents plans d'eau. Et c'est principalement financé par Fondation France, mais aussi avec beaucoup d'autres partenaires, et aussi avec l'IFQM, qui nous a donné la bourse pour Julie, sinon on n'aurait pas pu travailler. Et cet hiver, on a profité d'une opportunité qui nous a été donnée avec le ministère, il faut que je le lise parce qu'il change de nom à chaque changement de gouvernement, le ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques, faune et parc, et qui sont intéressés à voir ce qui se passe avec la truite de mer. Donc, je vous explique, c'est que quand il y a eu des diminutions de population de saumon atlantique, les ZEC, qui sont les zones d'exploitation contrôlées, les ZEC saumons, au Québec, ont vu leurs revenus diminuer. Et donc, ils ont transféré les phares de pêche sur la truite de mer, en disant aux gens, ben, c'est pas grave, si aujourd'hui vous n'avez pas attrapé de saumon, on va aller dans l'estuaire, on va aller dans l'embouchure de la rivière, puis il y a des belles truites de mer, vous allez pouvoir pêcher. Le problème avec ça, c'est qu'on assiste à une baisse drastique des populations de truites de mer, dont de fontaines à Navrons, parce qu'on les a gérées comme si c'était les poissons rivières, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on a un programme au Québec de gestion de l'orgue de fontaine, mais là, le ministère veut mettre sur place un programme de gestion des ombres à Navrons essentiellement. Donc, je suis très contente parce que c'est un projet dans lequel on va travailler avec trois jeunes chercheurs, David Deslauriers, qui est tout nouveau professeur à l'ISMER, où je suis, qui est responsable du projet, Emmanuel Chrétien, qui vient juste d'arriver au département de bio à l'Université Laval, et Eva Enders, qui vient d'arriver à l'INRS, et puis Olivier, qui sort du laboratoire de Louis, qui est maintenant à l'UQAC. Alors, moi et Pascal, on est les deux vieux dans le truc. Mais et là, on a vraiment une approche interdisciplinaire, puis c'est là que vous allez voir le lien qui peut être fait avec ce qu'on fait à Saint-Pierre. Donc, on a quatre objectifs dans ce projet-là. Le premier, alors Daniel parlait de données. Donc, depuis les années 92, j'avais des élevages à la station agricole qui sont pris en main depuis 2 ans par David sur deux souches d'ombre d'anadrome, en fait, les ombres d'anadrome de la rivière Laval. On a toujours gardé ce qu'on appelle nos contrôles, où on a fait des croisements au hasard, mais sans mélanger des frères et des sœurs, et une souche sur laquelle on a appliqué une sélection pour des traits d'intérêt pour l'aquaculture, c'est-à-dire l'absence de maturité sexuelle précoce. Il y en a parlé tout à l'heure, donc il y a plusieurs animaux qui vont avoir une maturité précoce, mais ça, les gens d'aquaculture n'en veulent pas. Donc, c'est notre premier critère. Et sur ceux qui n'ont pas de maturité précoce, on prend ceux qui ont la meilleure croissance pour la sélection. On appelle ça une sélection combinée. Et donc, ça, on fait ça depuis 30 ans. Et à tous les jours, avec les données, à tous les jours, toutes les données physico-chimiques et tout ça, plus toutes nos données de croissance à intervalles réguliers. On est rendu à 6 générations, mais plusieurs cohortes par génération. Mais on n'avait jamais colligé ça tout ensemble, en fait, parce qu'à chaque fois, on était pris dans toutes sortes de projets. On a fait plein de projets sur l'ombre de fontaine, dont un qui n'est pas encore fini sur l'épigénétique. Donc, plein de conditions différentes. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est utiliser cette immense banque de données, ces connaissances, et enfin en faire une synthèse pour vraiment voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et ça, c'est une postdoc chez nous, Maria Martinez-Silva, qui prend ça en main. Le deuxième objectif, c'est de déterminer à quel niveau d'organisation biologique il devient possible de différencier les ombres résidentes et anadromes. Donc, est-ce que les différences au niveau fonctionnel, est-ce que je les vois juste sur les 1+, est-ce que je les vois sur des juvéniles de 6 mois, ou est-ce que je les vois dès l'éclosion ou à la première alimentation? Donc, c'est une des choses qu'on veut faire. Et là, on va utiliser l'expression génique. Donc, exactement ce que Julie va faire cet hiver, c'est-à-dire que je fais partie du consortium Jane Fish, qui est un consortium au Canada qui est parrainé par Génome Canada, où on a développé des puces transcriptomiques, c'est-à-dire qu'ils vont aller regarder l'expression des gènes qui sont liés à la croissance, à la réponse au stress, à l'osmorégulation, donc aux ajustements, aux salinités différentes, et donc qui nous permettent de comparer entre elles les populations et les différents stades de vie. Donc, alors, on va pouvoir aussi avoir, pour Julie, on va avoir plein de comparaisons possibles avec des poissons d'eau rivière. Ça va être super intéressant. On va regarder aussi le taux métabolique sur le terrain, donc les expériences
classiques en respirométrie, mais des respiromètres de terrain, c'est-à-dire qu'ils se font in situ et non pas ramenés au laboratoire, et des études comportementales, c'est-à-dire que vous pouvez faire plein de tests aux petits poissons pour déterminer leur niveau d'audace, le niveau de comportement d'exploration qu'ils vont avoir, les réponses aux prédateurs. Donc, et on peut déterminer si déjà dans les premiers stades, on a des différences de comportement. C'est super intéressant. Alors, donc c'est une des choses qu'on va faire. Et regarder ensuite l'empreinte alimentaire au niveau des ateliers. Donc, c'est une chose, Fabrice, que tu veux faire éventuellement. Donc, tu parles beaucoup. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire. Mais ce qui est intéressant pour ça, c'est que... Oups, ça n'avance plus, ça, ce truc-là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu peux juste faire avancer. Alors, ce qui me... Et ce dont on va servir, c'est que le ministère a une belle collection d'otolithes, de 770 otolithes, qui ont été pris chez des hommes résidents, des hommes anadromes avec le temps, et qui viennent de différentes rivières. Donc, on va l'idée, oui, c'est ça, oui, au lieu que ça soit perdu quelque part. Donc, Olivier et Pascal vont travailler beaucoup là-dessus pour vérifier, pour comparer les traits d'histoire de vie, parce qu'avec les otolithes, on peut regarder en fonction des éléments de trace qu'on va y retrouver, on peut déterminer quand le poisson change de milieu, quand est-ce qu'il va de l'eau douce à l'eau de mer, s'il va de l'eau douce à l'eau de mer, quand est-ce qu'il va de l'eau douce à l'eau de mer. Donc, il y a plein d'informations comme ça qui vont être prises. Et en fonction, là, c'est vraiment pas mon domaine à moi, là, c'est celui de Pascal et d'Olivier, mais en fonction de l'endroit où ils vont regarder sur l'otolithe, ils peuvent déterminer aussi qu'est-ce qui se passe au cœur de l'otolithe, c'est-à-dire dans les tout premiers âges, mais aussi d'aller déterminer qu'est-ce qui s'est passé vers la, au moment dans les mots qui ont précédé la prise de l'otolithe, donc la mort individuelle, évidemment, puisqu'ils l'ont sacrifié. Et on a finalement... un quatrième objectif, celui-là, j'y crois plus ou moins, vous devriez dire, voyons, écoute-moi, elle aurait pu y croire, mais alors, c'est de développer un modèle bioénergétique qui pourrait s'appliquer à toutes les populations de Fontaine-à-la-Drôme. Moi, j'y crois pas parce que sont trop différents. Et je pense pas qu'on va arriver avec des populations, des modèles où on a des populations qui sont génétiquement différentes versus d'autres, où c'est les mêmes populations qu'on va arriver aux mêmes réponses. J'ai vraiment hâte de voir, mais en tout cas, j'en doute. Mais bon, je ne veux pas casser l'optimisme de mes jeunes collègues, donc on va aller voir ça. Et donc, j'arrive à la fin. Ce que vous voyez, ce sont deux projets qui sont vraiment complémentaires. Ce qu'on fait ici à Saint-Pierre, c'est incroyablement complémentaire de ce qu'on va faire au Québec sur ces différentes rivières. Dans les deux cas, on a deux projets qui sont vraiment à durée limitée, c'est-à-dire que celui avec Julie, on termine à l'automne 2024, donc dans un an déjà. Celui avec Magan, c'est juste un projet de 2 ans. On va terminer au printemps 2025, donc à peine quelques mois après celui de Julie. Donc, ce n'est pas vrai qu'on va avoir toutes les réponses en main. On va probablement générer un paquet de questions plus que d'avoir toutes les réponses. Alors, moi, je pense qu'on a vraiment des intérêts communs à voir comment on peut concevoir la suite. Là, j'ai mis Canada, Québec, France-Québec, mais je pense qu'on peut parler de France-Canada, Yann. Il y a sûrement des choses à faire ensemble pour continuer cette belle aventure de l'Ordre de Fontaine. C'est pas évident, je vous dis tout de suite, d'arriver à trouver du financement international. Ça, c'est quelque chose... Mais je pense que les co-directions d'étudiants sont vraiment une belle façon qui nous permet d'arriver. En tout cas, il va falloir qu'on regarde ça. C'est plus facile en province. Province canadienne, on a des programmes canadiens, mais il va falloir qu'on s'assoie, qu'on règle des choses ensemble, puis qu'on voit comment on peut donner une suite à tout ça. Alors voilà, c'était ce que je vais vous présenter. Là, on est parti, on a 8 minutes de questions. On va vite, hein, on attend. Ben, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que tu nous as tous rendu malade avec je l'avais pas mis discuté. On est plus bien aussi ce matin. Oui. Pour rester appuyé un petit peu dessus. Voilà. OK. Dans la dernière diapositive, il y avait France-Québec, mais je rajouterais Trédignon-Québec. Aux îles, on fait à peu près ce travail-là, mais avec l'éperlan arc-en-ciel actuellement. Donc, on a des prélèvements qu'on a envoyés au
C'est ça, sauf qu'il n'y a pas ce travail-là effectué sur les ondes de fontaine. C'est sûr qu'on a, on a très peu de cours d'eau, on a 182, on peut peut-être les compter, mais on ne connaît pas bien la population d'ondes de fontaine sur les îles et on ne sait même pas justement leur prédominance à l'endroit ou résidence, ce qui impacte beaucoup les restaurations qu'on fait en fait. Donc, quand on propose des restaurations d'habitat de l'ongle, on ne connaît même pas l'environnement dans lequel ce serait optimal de les faire parce que justement, on connaît mal nos populations d'ongles de fontaine. Donc, on se concentre sur celle des perlants, mais l'ongle de fontaine est visé comme une espèce de particulière à laquelle on devrait améliorer l'habitat pour en tout cas, maximiser son potentiel de frais de son archipel. Mais on connaît mal. Donc, ça restreint un peu le travail de restauration qu'on peut faire. Donc, c'est sûr qu'on est intéressé à développer ce genre de projet-là aux îles. On a une méthode similaire pour les perlants, mais clairement, des partenariats pour l'ombre de fontaine, ça serait fantastique les prochaines années. Oui, puis il y a une chose aussi que souvent qu'on voit, c'est par exemple pour la restauration des ombres de fontaine dans la Drôme. Elles sont souvent considérées comme plus intéressantes. En fait, tu vas aller chercher des filets, t'es pas dans la taille portion. Tu parlais de ça. Donc, c'est par contre, effectivement, des populations plus faibles, hein, plus petites. Donc, il faut gérer de façon différente. Puis, j'ai pas regardé la banque de données, mais je vais aller voir, je vais demander à Olivier voir si on en a déjà des îles à l'intérieur de ça. Puis, si on en a, je te tiens au courant. Puis, on va voir effectivement s'il y a du. Toujours le même. Oui, moi je pensais à un séjour de pêche avec des gens qui viennent de la métropole et après ils vont en vol direct aux îles de la Madeleine. Une semaine. C'est pour moi qui en a une semaine. Non, non. Pas analyser, il y a des vols réguliers l'été. On n'a pas pu là-dedans, c'est pas possible. Là, voilà. Je pense qu'il y a vraiment des collections. Et je crois que c'est beaucoup de gens qui m'avaient parlé des parents, parce que moi, c'est ça. Hein. Donc, il y a aussi cette espèce chez nous avec des problématiques similaires. Donc, tu veux dire un petit mot, peut-être ? Non, non, j'ai des. Si, tu veux dire, si, tu veux dire un petit mot. Non, non, c'est simplement. Merci. Enfin, c'est simplement la question, c'est que j'ai appris que les parents aux Indiens montaient dans les cours d'eau pour se produire, alors qu'ici, il ne monte pas dans les cours d'eau, il va dans les étangs qui sont saumâtres ou un peu légèrement saumâtres. Il effectue son cycle là, même voire peut-être il reste là, c'est à voir, c'est à comprendre. Et il y en a également qui partent à la mer, mais qui reviennent dans le plan d'eau. Voilà. Et la différence, c'est qu'il leur faut un cours d'eau là-bas aux états d'Indel pour se produire. Donc je suis assez curieux de ça. Voilà. Moi, en tout cas, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on a l'impression, comme biologiste, on a souvent l'impression qu'on connaît à peu près toutes les espèces avec lesquelles on travaille. C'est vrai autant pour les espèces marines que les anadromes, catarrhomes et espèces d'eau douce. Mais en fait, on en a pour des générations de jeunes chercheurs à continuer à essayer de mieux comprendre ce qu'on a dans les mains. Parce que nos connaissances sont quand même relativement limitées. Et c'est tellement important parce que ce qui s'en vient, on sait tous, les changements globaux sont là, sont à nos portes. Puis ça va probablement bouleverser plusieurs choses, puis c'est difficile de gérer quand on ne connaît pas. Donc, on a encore beaucoup de boulot à faire sur plusieurs espèces. Et aux îles, est-ce que vous avez, parce que nous, on a la chance d'avoir des grosses populations, je crois, même si on n'a pas trop donné, de l'anguille américaine. Et on a une responsabilité, parce que c'est une espèce patrimoniale au-delà de la région, au niveau mondial. Il y a à peu près 16 espèces d'anguilles, donc ça permet quand même une responsabilité forte. Donc, je vais me demander si vous en avez aussi. On en a beaucoup de travail toujours aussi à faire les perlants artensiels, on commence à bien connaître, puis de plus en plus de financement pour connaître justement la construction de la population qu'on a aux îles. Mais l'anguille, l'ongle de fontaine, ça en reste peu à travailler, dans lesquels on essaie d'initier des démarches au niveau du MLG, CSP, qui amènent leurs chercheurs ou du moins qui offrent des financements pour le faire. Et saviez-vous qu'il y a aussi des écotypes au niveau de l'anguille? Vous avez les écotypes qui remontent en eau douce, puis les écotypes qui vont toujours rester en milieu saumâtre et salé. Donc oui, tout à fait. Alors, tu as les deux écotypes aussi chez l'anguille. Alors, et qui peuvent différer d'une rivière à l'autre et d'une région à l'autre.
Alors, super intéressant. Et peut-être aussi au niveau de la détermination du sexe en fonction des hypothèses. C'est une grosse boîte de Pandore, on ne sait pas. Bonjour à tous. Alors, moi, ce ne sera pas sur l'ombre de fontaine. On ne sera même pas sur un salon inédé, on sera sur un poisson plat de la mer boutique. Mais ça va le faire. Donc, bonjour à tous. Je me présente Karine Sauger. Donc, je suis doctorante en dernière année à l'IFOMER de Port-en-Bessin et de l'Université de Caen-Normandie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc, les résultats préliminaires d'une partie de mon doctorat. Donc, des travaux réalisés sur mon doctorat et donc sur une méthodologie quantitative basée sur de l'histologie et couplée au deep learning pour suivre la maturité sexuelle de certaines espèces de téléostéens et notamment dans le cadre de la gestion des pêches. Donc l'âge et la taille à première maturité, ce sont des traits importants qui impactent le succès reproducteur d'un individu et qui influencera donc la dynamique de sa population. En analytique, les paramètres biologiques des populations exploitées sont récoltés annuellement, soit relevés via les débarquements de pêcherie commerciale ou lors de campagnes en mer. Donc, lors de ces campagnes scientifiques, les protocoles sont suivis afin d'assurer donc, une prise de données qui est standardisée. Donc, les données récoltées sont des paramètres biologiques de nos individus. Et qui seront utilisés donc, pour les calculs d'estimateurs tels que la biomasse reproductrice ou encore la taille minimale de capture. Donc, pour la prise de données de la phase de maturité donc, des espèces, avant 2015, il n'existait pas d'échelle générale. Ça veut dire qu'en fonction des pays, on avait des échelles qui différaient et même en fonction pour une même espèce, on avait des échelles qui étaient différentes, ce qui veut dire qu'on avait une nomenclature et des terminologies non standardisées, avec même des définitions qui différaient entre elles. Donc, l'idée d'utiliser une échelle commune donc à six phases, donc c'est celle que vous voyez à l'écran, elle date du début des années 2000, avec une application de cette échelle générale et, du coup d'une terminologie qui est standardisée pour la collecte de données en halieutique qui date de 2020 en Europe. Donc, comment récupérer cette donnée lors des prélèvements? Donc, classiquement, la phase de maturité elle est estimée à travers donc, l'observation des paramètres macroscopiques des gonades, donc des organes sexuels. Donc, les individus sont classés dans une phase de maturité en fonction de critères tels que la taille, la texture ou encore la couleur donc, de leur gonade. Donc, c'est la méthode qui est la plus rapide, qui demande le moins de ressources, mais elle est aussi subjective. Et comme il est impossible d'avoir donc, les mêmes agents avec le même niveau d'expérience sur toutes les espèces, donc il faut évaluer la maturité donc, sur toutes les campagnes halieutiques pour chaque année, il y aura forcément de la variabilité entre les années et entre les certaines espèces. Donc, pour limiter cette subjectivité, on peut par exemple mettre en place donc, des workshops de calibration. Donc, les agents qui vont en mer peuvent donc se calibrer entre eux en fonction des espèces qui seront présentes lors des campagnes. On peut aussi mettre en place des fiches de référence, donc, comme vous voyez à l'écran, où finalement la méthode qui permet donc, de déterminer la phase de maturité sexuelle d'un individu le plus précisément possible, c'est l'histologie. Bon, par contre, l'histologie, ça mobilise énormément de ressources entre les produits pour fixer l'échantillon, les colorants, les étuves, les frigos, les microtomes pour couper les gonades, les microscopes. Donc tout ça, c'est beaucoup de ressources. Et en plus de ça, on a donc les produits qui sont utilisés doivent être manipulés sous une hotte ou stockés dans des lieux adaptés. Donc ça peut rendre leur utilisation assez complexe sur le terrain, donc, notamment à bord des navires. Finalement, donc, l'histologie est une méthode qui est chronophage. Donc, les échantillons doivent être récoltés frais, ne doivent pas être abîmés ou éventrés lors de la récolte. Ensuite, on doit les préparer dans plusieurs bains d'inclusion avant qu'ils soient inclus dans la paraffine, coupés, montés entre lame et lamelle, colorés, avant d'être observés au microscope. Donc, en plus des ressources et du temps, il faut de la connaissance sur les structures que l'on va retrouver dans cet organe.
Donc, il faut donc établir des lexiques qui vont décrire donc, ces structures cellulaires que nous allons observer pour les identifier correctement. Donc, parmi les structures cellulaires à identifier, donc, nous avons l'ensemble des cellules de la lignée germinale. Donc, ici, nous avons les cellules de la lignée germinale de la cardine franche, donc les Pseudorhombus ruffiagonis, avec nos ovocytes primaires et ovogonies qu'on va retrouver donc, chez nos individus immatures. On va avoir ensuite les ovocytes à alvéoles corticales qui se forment en présence d'hormones sexuelles. Donc, c'est à ce stade cellulaire-là que nos individus deviennent sexuellement matures. Et donc, ces SAO vont ensuite rentrer en vitellogénèse. Par la suite, donc, la vitellogénèse avancera jusqu'à l'obtention d'ovocytes hydratés, donc, qui va indiquer les individus qui sont en ponte. Et finalement, une fois la ponte terminée, il nous restera des follicules post-ovulatoires ou des POF, donc qui permettront de classer donc, ces individus en phase D de régression-régénération. Donc, identifier tous ces types cellulaires de la gonade, ça ne suffit pas toujours pour pouvoir attribuer une phase de maturité à chaque poisson. Donc, il faut pouvoir aussi quantifier tous ces types cellulaires. Donc, pour rendre cette méthode quantitative, nous allons utiliser la stéréologie. Donc, qu'est-ce que la stéréologie ? Donc, c'est une méthode qui consiste à relier des paramètres des structures tridimensionnelles à des mesures faites sur des sections bidimensionnelles. Oui, il faut suivre. Donc, en fait, par exemple, lors des campagnes halieutiques, on va avoir en mer des points d'échantillonnage dans une zone d'intérêt. Et ensuite, pour chaque coordonnée dans cette zone d'intérêt, on va venir donc, quantifier le nombre de poissons et d'espèces retrouvées là. Donc, dans le cas de l'histologie, la stéréologie consiste à superposer une grille d'échantillonnage par-dessus une zone d'intérêt. Donc, dans notre cas, la section ovarienne, donc notre zone d'intérêt, va être recouverte d'une grille de points et ensuite, on va pouvoir attribuer à chaque point une structure. Et donc tout ça, comme lors des campagnes en mer, on a des protocoles qui sont mis en place. Donc ces protocoles de lecture stéréologique permettent d'assurer la standardisation des données récoltées et de permettre la représentativité en termes statistiques. Donc pour illustrer la mise en place de la stéréologie, donc voici l'interface du logiciel QPA. Donc c'est un logiciel open source qui va permettre de lire les scans des lames histologiques et d'appliquer le traitement d'imagerie nécessaire pour justement le comptage en stéréologie. Donc une fois les structures quantifiées, donc pour chaque individu, ces derniers sont classés dans une phase de maturité en suivant les recommandations du CIEM. Donc le tableau qui est présenté ici, ça va être donc les règles de classement, donc en présence-absence des différents stades cellulaires pour la catégorisation des individus dans une phase de maturité sexuelle donc chez les DEC1. Donc par exemple, pour un individu donc en A immature, si on a une présence de OG, PO1, PO2 ou LDO et une absence de tous les autres stades cellulaires avec moins de 50% pour de l'atrésie, on va donc classer notre individu en A immature. Pour illustrer l'utilisation de la stéréologie donc dans un cadre halieutique, je vais vous présenter donc, les résultats que nous avons obtenus sur une étude donc, de la cardine franche, donc l'Epidorhombus ruffiagonis, donc un poisson plat exploité en mer Celtique. Donc, nous avons récolté une quinzaine d'individus tous les mois pendant un an, et la phase de maturité des individus a été estimée de la méthode macroscopique et stéréologique. Donc, cela a montré que 59% du temps, donc les individus qui sont classés en immature par la méthode macroscopique étaient classés en A aussi par la méthode stéréologique. Donc, de plus, on a 70% des individus en développement, en B, qui étaient aussi classés dans cette même phase avec la stéréologie. Pour ce que les individus en ponte, 91% étaient classés validés macroscopie et stéréologie. Et finalement, donc le dernier stade, donc le stade de régression-régénération, donc c'est celui où on semble avoir le plus de difficultés à identifier nos individus. On est à 17%. Donc ici, nous avons représenté donc, nos 202 individus classés par taille en ordonnée.
Et en abscisse, on va avoir donc les mois où ils ont été récoltés, avec la couleur qui est associée à la phase de maturité de ces individus. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les individus qui sont en ponte, donc colorés en vert de janvier à mars. Avant la ponte, d'octobre à décembre, les individus immatures, donc qui sont classés en rouge, et les individus donc, qui commencent un développement cellulaire, donc avec nos ovocytes à virule corticale. Donc, on a une ovogenèse engagée, mais on n'a pas encore de ponte. Donc, par contre, en dehors des périodes de ponte, on retrouve donc les individus de grande taille, donc de 35 cm et plus, donc les individus en rouge, donc qui sont classés en tant qu'immatures. Donc, ceci est surprenant et peut-être expliqué par le fait qu'une fois la ponte est accomplie, l'ovaire va entrer en régression-régénération avec un fort taux de lyse. Donc, les individus classés donc en bleu, en D, on présente encore des POF, donc les follicules post-ovulatoires. Donc, ce sont les structures qui permettent de les classer dans cette phase. Or, les individus de grande taille, classés en rouge, immatures, à cette période, ne représentent plus ces structures. Donc, ceci nous montre que même en utilisant l'histologie quantitative, qui est reconnue comme étant la méthode la plus précise pour la détermination de la phase de maturité, on a des difficultés à identifier donc, les individus ayant pondu juste après la période de ponte. Donc, d'un point de vue de la gestion des stocks, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, les phases de maturité individuelles sont utilisées pour calculer les indicateurs de maturité à l'échelle de la population, tels que les ogives de maturité. Donc, c'est l'estimation de l'âge ou de la taille auquel 50% de la population est considérée comme sexuellement mature. Donc, quand on calcule les L50, on prend en compte uniquement les individus échantillonnés lors de la période de reproduction, pour justement éviter ce biais en dehors de après la ponte. Et on estime que la moitié des individus sera sexuellement mature à 25 cm, donc par la méthode macroscopique, alors qu'on est à 4 cm de moins avec la stéréologie. Donc, la stéréologie est un outil précis pour la détermination de la phase de maturité. En contrepartie, c'est aussi une méthode bien plus chronophage et difficilement applicable sur plusieurs centaines d'individus récoltés lors des campagnes halieutiques. Par exemple, pour cette étude, donc les lectures ont été effectuées sur une vingtaine de jours par deux agents. Donc, pour diminuer ces temps, nous avons réfléchi à l'automatisation du processus. Donc, on s'est dit, on va faire donc, du deep learning. Donc, pour cela, donc, c'est une technique donc, d'apprentissage automatique et plus précisément donc, de l'apprentissage supervisé, deep learning. Donc, nous avons déjà lu plusieurs lames en sériologie pour l'utilisation de en histologie pour l'utilisation de la stérologie. Ça veut dire qu'on a des images avec des coordonnées et à chaque coordonnée associée une structure. Donc, en utilisant un algorithme de self-pose qui nous a permis de détourer donc, les structures, on va pouvoir donc, extraire ces images avec leur identifiant. Donc, suite à cela, on a donc un jeu de données d'apprentissage où les images d'ovocytes sont tous identifiées. Et vous noterez qu'elles sont détourées de couleurs quand elles ont été identifiées et certaines n'ont pas été détourées, donc en fait elles n'ont pas été identifiées lors de la stéréologie. Donc une fois les cellules détourées et identifiées, on peut alors utiliser donc, un algorithme, donc ici on a utilisé YOLO-EV5, qui va apprendre à identifier les structures pointées. Et une fois l'apprentissage terminé, on reprend donc, toutes les images des cellules détourées qui n'ont pas été identifiées. Et on va utiliser l'algorithme entraîné pour les identifier. On va donc obtenir un jeu de données avec, pour chaque lame, un certain nombre de cellules identifiées. On a donc des structures cellulaires identifiées pour chaque individu, ce qui nous permet... ça va être chaud. Ce qui nous permet donc de reclasser nos individus dans une phase de maturité. Donc ici, nous retrouvons les individus classés par taille en fonction des mois d'échantillonnage avec la phase de maturité en code couleur.
Donc, à gauche, ce sont les résultats que je vous ai présentés avant. Et à droite, on a les individus classés en fonction des structures cellulaires retrouvées avec la méthode de deep learning. Donc, on retrouve bien les individus en ponte en vert et nos individus immatures et même nos individus en début de phase B avant la ponte. En reprenant ces résultats, on peut recalculer une L50, donc une taille à laquelle 50% de la population est sexuellement mature, avec les phases de maturité obtenues par l'identification automatique des cellules. Donc, on peut observer un écart de la L50. Donc, ce biais d'âge vient juste du fait qu'on a perdu des individus immatures, justement, pour les lectures. Et finalement, donc, en quantifiant le temps passé par individu pour lire les lames en histologie, même si la méthode automatique semble prendre autant de temps que la méthode stéréologique, elle reste plus rapide car il n'y a pas le facteur de fatigue du lecteur. Donc, pour conclure, l'histologie est plus précise que la méthode macroscopique et pourrait aider à estimer donc, les biais agents lors de la prise de données de la maturité lors des campagnes en mer. En contrepartie, que l'on utilise la méthode macroscopique ou stéréologique, il faut éviter la prise de données de la maturité en dehors des périodes de reproduction et donc compléter les données de campagne par l'échantillonnage ponctuel à terre pour les espèces dont les périodes de reproduction ne se passent pas lors des périodes des campagnes abiotiques. Pour ce qui est de la stéréologie, donc cette méthode est certes chronophage, mais elle assure une quantification précise des structures cellulaires retrouvées dans les ovaires et permet donc d'identifier les individus en omission de ponte, ce qui est impossible sans l'histologie. Et finalement, donc la stéréologie permet d'élaborer donc des jeux de données d'apprentissage de qualité et fiables qui peuvent alimenter les algorithmes d'apprentissage supervisés pour, dans un premier temps, automatiser la lecture et donc diminuer le temps agent nécessaire à l'utilisation de cette méthode et dans un autre temps permettre de quantifier les cellules éventuellement par exemple estimer une fécondité pour un individu. Et cette méthode pourrait permettre donc la mise en place de futurs suivis avec une méthode d'identification standardisée avec par exemple un échantillonnage tous les 3-5 ans pour suivre donc, les périodes de reproduction ainsi que les tailles ou les âges à première maturité. Merci. Là, on a potentiellement un petit peu de temps pour questions avant la pause. Est-ce qu'il y a des questions, mais celles ok, pardon. Merci pour la présentation. Est-ce que la différence entre la stéréologie et l'intelligence artificielle, vous avez dit que vous aviez il y a un an de différence d'évaluation là, entre deux ans, un mois et puis trois ans là, le stade. Et vous avez dit que c'était lié au fait que vous aviez perdu des juvéniles. Vous savez sur quels critères ces juvéniles ont été perdus, parce que ça fait beaucoup de différence quand même entre les deux. Oui, les diapos avant. En fait, c'est les individus, on les a perdus entre guillemets pour une raison toute simple, c'est qu'on les a on est sur des lames histologiques, donc on a détruit nos cellules. Donc, ces lames histologiques, j'en avais un certain nombre et je les ai utilisées pour ma base d'apprentissage. Et pour ne pas biaiser mon algorithme, je ne les ai pas reprises dans ma base de données d'images à réidentifier. C'est pour ça qu'elles n'y sont pas, parce que je n'avais pas de doublons pour les réassimiler. En fait. Ça veut dire que votre calibrage entre les deux techniques, vous ne l'avez pas fait sur les mêmes individus. Ils ont été faits sur. Je ne peux le faire en fait. Excuse-moi, désolé. Non, je ne peux pas le faire.
C'est des annexes. Pour une fois que j'ai fait des annexes, on pose des questions. Voilà, après. Oui, c'est après. Encore après. Encore après. Voilà. Donc, en fait, on a aussi vérifié l'homogénéité cellulaire. Donc, un individu, ce n'est pas une lame histologique. J'ai au moins deux lames histologiques par individu. Ce qui m'a permis de, par exemple, je ne lisais que la lame de ma gonade ventrale centrale et je gardais ma lame de ma gonade dorsale pour justement la lire par deep learning. Ce qui veut dire qu'avant ça, j'ai vérifié l'homogénéité cellulaire. Donc, j'ai vérifié qu'en effet, qu'importe où je coupe dans ma gonade et qu'importe, donc j'ai pris 15 individus et j'ai fait 6 sections par individu et l'homogénéité cellulaire est acceptée. Donc, ça veut dire que qu'importe où je coupe dans ma gonade ou n'importe quelle gonade ou dans mon individu pour un mois, j'aurai le même résultat au niveau de proportion de cellules et de type cellulaire. Donc, ça me permet de, par individu, avoir deux lames. Et donc, j'avais une lame que j'ai utilisée pour ma base de données d'apprentissage et une lame pour être trained, donc learned, apprise par mon algorithme. Et en fait, donc, c'est par les individus qui me manquaient. Je n'avais plus cette seconde lame. Voilà. Dans ma... Oui, alors c'est justement ce que je voulais dire. Là, on vient de finir la session, donc merci beaucoup. On va avoir une petite pause de 4 minutes, puis on reprend à 11h15 avec la toute dernière session du congrès. Le patron a encore un mot à vous dire, je suis désolée pour vous. Oui, alors... J'ai parlé pendant 10 minutes, non, je plaisante, on va faire la petite pause. Je précise que j'ai la chance d'avoir rejoint ce nouveau laboratoire, le LIEC, donc Laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux. Donc, nous avons la directrice Laure Jean-Bérine qui est ici, qui nous a apporté un certain nombre de plaquettes et aussi de goodies. Et bon sens tous avec un bracelet LIEC cet après-midi. Non mais plus sérieusement, j'ai la chance, que je le dis depuis 3 semaines, d'avoir rejoint ce laboratoire, parce que tout ce qu'on a discuté, ou l'essentiel des choses qu'on a discuté, ce laboratoire est l'un des plus gros de l'université et le fait. Donc, les collaborations dont on a parlé sur la gestion des écosystèmes, les poissons, tout ça, on pourra avoir ce type de collaboration. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, il en reste, si bien, je ne repartirai pas avec. Ma valise était remplie de ça, donc ils sont gratuits. Et oui, c'est le numéro spécial, les gens sont là dès le début. C'est pas trop qui part. Et la tombola, c'est jusqu'à midi et demi. Voilà, et on est pas mal du tout. On est vraiment pas mal du tout, donc je vous remercie. Moi, j'ai mis un gros paquet sur un truc, donc j'espère vraiment que j'ai mis. Voilà. On est reparti, s'il vous plaît. Donc, on innove tout le temps, c'est incroyable ce congrès. Grosse technologie. J'en ai marre d'envoyer des fichiers Excel que personne ne lit. En plus, j'ai des erreurs, donc je dis c'est du Doris et du Zodiac. Seuil. Vous écrivez votre nom, prénom, il y a sorti en Doris, 14h30, 16h. De l'autre, ça, c'est pas la technologie, de l'autre côté, randonnée montagne avec notre Tristan National, 14h30, 16h. Donc, quand vous allez venir me dire, est-ce qu'on peut faire les deux? Non, c'est le même horaire. Donc, on fait tourner et j'ai besoin de le savoir assez rapidement, c'est pour les touristes. Ils ont déjà 2 touristes à l'eau, donc 2 x 6, 2 x 8 à peu près, donc 10 personnes. Si c'est 10 personnes, il n'y a pas de... Voilà, je ne vous en vais pas. Aucune obligation, évidemment. Bonjour à tous. Eh bien, nous allons rentrer maintenant dans la dernière session du congrès, consacrée à la pêche et l'aquaculture. On accueille donc notre première présentation avec Hervé Boulet, qui nous parler de son bureau d'études en aquaculture, en aquariologie. Bonjour à tous. Vous allez bien en contenu scientifique, mais j'espère que vous allez le gagner en exotisme. Je vais vous le dire.
Je vais vous présenter une activité qui est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'aquaculture et les projets entre autres de grands aquariums. Voilà, alors on fait de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire bon, c'est de la conception et du suivi de chantier et de l'assemblage de matériel spécialisé, c'est-à-dire du matériel qui existe déjà, mais que on va assembler de manière à répondre à une problématique spécifique aux besoins des élevages. Alors un petit planning, donc il y a des animations de fou. On avait des budgets. Donc une petite introduction rapide, qui sommes-nous rapidement, les missions, les services qu'on peut faire et quelques projets un peu plus développés. J'ai essayé de picorer dans les références pour avoir à la fois des choses qui seraient transposables éventuellement ici ou alors qui présentent un petit intérêt scientifique, c'est-à-dire des endroits où il y a eu des thèses qui ont été soit conduites, soit qui le seront peut-être dans le futur. Alors, introduction. Voilà. Alors, c'est une société que j'ai rachetée en 2003, en avril 2003, donc déjà 20 ans. Et elle a été fondée par ce monsieur, vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a deux particularités. C'est que, premièrement, il est comte de son état, fait il était puisqu'il est décédé. C'était le mari de la constructeur en Angleterre et donc le beau-papa de Lady Canaan. Donc, j'ai fini mon stage d'études avec ce monsieur sur des projets aquacoles qui étaient entremêlés avec des passages de l'aristocratie britannique. Voilà, ça a duré 3 ans. Et quand il est parti à la retraite, il m'a laissé l'entreprise pour 1 € symbolique. Et il était à l'initiative des premiers transferts de filtres biologiques depuis Ifremer à Lavas, donc les travaux de Jean-Paul Blanchon. Il avait emmené un industriel anglais qui s'appelait Lacron. Il a vendu les premiers biofiltres dans les premières piscicultures en France. Donc voilà, ça fait 37 ans qu'il a créé tout ça, une vingtaine d'années que je l'ai repris. On a deux marques, donc CHF pour la partie cube et aquaculture pour la partie matérielle. Et ça représente à peu près 14 000 références, c'est-à-dire un petit supermarché. Voilà, donc à propos de nous, alors on a 5 activités, donc la maîtrise d'œuvre qui est du travail de bureau d'études, de l'intégration qui était le travail historique de monsieur de Chambrun, de la fabrication à façon, je vous montrerai quelques images, du conseil et de l'expertise. Alors, voilà ce qu'on a fait récemment, donc en maîtrise d'œuvre, une écloserie de truies, dont je reviendrai un petit peu après, mais arc-en-ciel et fario. Et en le chevalier, en circuit recyclé et sur panneau photovoltaïque. Donc, c'est une des références que j'ai sélectionnées pour vous présenter, que je vais vous présenter tout à l'heure. Une partie grossissement qui est la suite de cette écloserie qui permet de produire des truites fario, mais aussi de les transformer et en circuit semi-recyclé. Et une écloserie d'Atipa actuellement en Guyane qui est en cours de livraison et qui est dans lequel on a intégré toutes les étapes de l'élevage jusqu'à des alevins d'une cinquantaine de grammes qui sont ensuite transférés dans des étangs et des piscicultures qui sont vivrières. Donc voilà pour la partie maîtrise d'œuvre. La partie intégration, donc récemment on a fait une installation d'oxygène doublée pour du saumon, du traitement d'eau, c'était il y a quelques années, c'était en Libye pour rentrer un peu plus dans le détail, ils pompent de l'eau dans les nappes phréatiques libyennes pour alimenter Tripoli et Benghazi. Ça s'appelle la Grande Rivière et c'est Vinci qui a fait ça. Et sur le réseau qui traverse le Sahara, il y a des vannes et sur ces vannes, ils créent des oasis. Ils créent, puisqu'il y a eu la guerre entre temps. Et il s'avère que hydrologiquement, le pompage des nappes phréatiques provient plutôt des réserves du lac Tchad. Et donc, politiquement, c'était bien de recycler une partie des effluents de leur pisciculture. Et c'est sur ce projet que j'ai travaillé. Et c'est ce qui a réellement lancé l'activité après l'activité d'étude, du moins après la reprise. Voilà, après, il y a un filtre qu'on a fabriqué à façon pour un élevage de perches aussi. Fabrication, alors là par contre c'est des aquariums qui sont assez intéressants, donc si vous aimez la bière, cet aquarium est chez l'un des propriétaires de la bière Leff en Suisse,
On a rentré l'aquarium d'Arcep Lévitré, il pèse 8 tonnes. On avait ouvert vide, on avait ouvert le tuyau, on a enlevé deux tuiles, on a tiré l'aquarium, on l'a rentré horizontalement, on l'a relevé avec deux grues. Et la manip était prévue pour durer 24 heures, elle a duré 36 heures. Et ça m'a valu ma plus grosse contravention de ma vie pour avoir bloqué la route. Voilà. Ça vaut le prix de la voiture. Une installation qu'on est en train de livrer, c'est un aquarium pour des protoptérus aux eaux de Mulhouse et un autre à Cannes qui est un peu particulier parce qu'on ne voit pas bien sur la photo. Mais vous avez d'un côté de l'aquarium, vous avez la piscine, de l'autre côté, vous avez un cinéma privé et cette maison a une histoire particulière puisque c'était le propriétaire de Franck qui est décédé maintenant, tragiquement, sur sa maison. Et la maison aujourd'hui est terminée et elle est louée pour des vacances de gens qui ont un petit peu de sous. Donc on est déjà assez libre par semaine. Magnifique. 100 000 euros. Millions. Et vous pouvez dire. On a travaillé donc le conseil sur des huîtres perrières, puisque pour un groupe dont je n'ai pas le droit de dire le nom, mais qui fait des montres de luxe, c'est un gros groupe. Et ils ont une division qui fabrique des cadrans de montres en acre. Et donc, la problématique qu'ils ont, c'est la certification de l'origine de la ressource, puisque ça passe par des pêcheurs qui passent par des importateurs, donc ils ne savent pas exactement d'où vient quoi, et donc l'idée de l'aquaculture leur était venue. Et donc, on a réfléchi un petit peu à tout ça, et donc je vous parlais d'un lien avec les universités, c'est qu'il y a la partie élevage donc, qui est faisable, et il y a la partie aussi sélection des animaux, puisqu'il faut une nacre très blanche, sans iridescence, il faut une nacre pas trop dure, puisqu'elle est ensuite travaillée par des outils de découpage d'eau, donc il faut une nacre très particulière. Et donc, il y avait un projet de test qui était associé à tout ça, puisqu'il fallait, pouvoir travailler tout ça. C'est des montres à partir de 100 000 euros aussi, il y a 12 trous, 12 montres, voilà. Ensuite, on a travaillé pour EDF, c'est une installation de capture de poissons et de tri de poissons sans les toucher, qui permet de récupérer les poissons dans ce bassin-là et de les marquer, de les envoyer dans différents bassins qui sont ensuite triés et orientés vers différentes zones. Et puis, au moins, un dragon en métal qui est en fait un bâtiment, et nous, on a travaillé simplement sur la partie traitement d'eau des bassins qui sont devant. Voilà, expertise, donc une fosse à plonger avec une vitre qui fuit, parce que la vitre, la fosse à plonger est remplie avec de l'eau à 2 degrés, elle fonctionne à 28 degrés, donc la vitre se dilate, et le joint ne fuit pas. Donc voilà, après une pompe qui fuyait, ça c'est une tresse d'étanchéité blanche, donc au potable, elle était installée sur une pompe, sur un pompage en rivière, et les sédiments bloquaient et la problématique venait de là. Et des résines, excusez-moi, et des résines qui ne tenaient pas sur l'intérieur d'un fil qui était affecté par des courants vagabonds. Voilà, quelques missions et services. Alors, on travaille, on a une sorte d'architecture en fait, de travail qui se superpose à un logiciel de construction de bâtiments. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur la documentation, c'est le... Oups, non, heureusement ça n'a pas marché, c'est là, voilà, c'est le rond. Ensuite, on va construire le bâtiment et préparer l'arrivée des matériaux. On va ensuite, on peut le rénover, on va le construire, on va le designer par un architecte, on va créer des plans et on va analyser son cycle de vie. Et on va éventuellement le détruire, sachant que la plupart des bâtiments sont déjà pensés quand ils sont en conception pour être éventuellement réaffectés. Un aquarium ou une pisciculture, ça a le double inconvénient de ne pas être réaffectable, on ne peut pas en faire quelque chose d'autre, et en plus c'est très très lourd et très très spécifique, donc souvent très cher en fondation. Donc voilà, l'exemple par l'image, donc l'aquarium de Béziers sur lequel on travaille, voilà les plans d'architecte que vous connaissez tous, et nous à partir de ce plan d'architecte, on va faire un plan aquario qui ressemble à ça. Et tous les corps d'État vont faire leur plan. Donc, on va avoir les chemins de câble, les tuyaux de climatisation, d'évacuation, le plombier, tout. Et tout ça, ça fait autant de maquettes qu'il y a de corps d'État qu'on va ensuite superposer.
Une fois que c'est superposé, le logiciel nous sort tout seul des incohérences. Alors là, par exemple, des tuyaux qui traversent le plafond. Il ne faut pas le faire. Là, c'est mes trucs à moi. On a des tuyaux qui traversent les gaines de BMC. 5 minutes, je sais pas. Voilà. Ça donne ça. Bah, quand c'est fini, donc ça fait la maquette d'Aquario. Et ça nous permet de sortir tout. Les plans d'exécution, donc on sait qu'on a un coup d'ici, un coup de là, donc on sait qu'on a des bugs qui sont parfaitement comparables. Vous parlez d'animation, voilà. Donc la conception, donc programmation, économie du projet, la construction et la synthèse des différents lots, et ensuite l'exploitation du bâtiment, où on va aller, je vais très vite, vers une GMAO, c'est-à-dire une gestion de la maintenance assistée par ordinateur, c'est-à-dire qu'on va affecter à chaque matériel un QR code qui va nous donner l'historique de l'appareil et toutes ses opérations de maintenance, ce qui fait que même si les gens partent, ou si les entreprises trépassent, on a quand même l'histoire du bâtiment et l'histoire de tous les équipements qui est mémorisé dans un logiciel qui se superpose à nos plans. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est un logiciel c'est des logiciels qui existent, qui sont ouverts en fait, et sur lesquels on va rajouter non plus que les sondes et les reports de sondes, mais aussi le système de suivi d'installation. Voilà rapidement le portfolio. La pisciculture de salmonidés que vous avez tout à l'heure, qui est une nursery avec 3 salmonidés, elle fonctionne en circuit fermé de 0 à 100%. On pompe à peu près quelque part en haut et on rejette quelque part là-bas. On a une solution bio et non bio, c'est-à-dire qu'on peut avoir du circuit fermé ou du circuit totalement ouvert. Et on ne croise pas les flux et autonome, puisqu'on a des panneaux de photovoltaïque qui permettent d'avoir une autonomie partielle. La suite de la pisciculture, c'est qu'on va grossir des poissons jusqu'à 250 grammes ou 1 kg. On a 2 espèces de salmonidés, un accès pédagogique, un atelier de transformation qui est ici, et derrière là-haut, une petite boutique de vente. C'est très souple, puisqu'on fonctionne en première ou en deuxième eau. Donc on a les canalisations qui partent de la prise d'eau qui est quelque part ici. On alimente soit en première eau, soit en deuxième eau, soit avec une pompe où on va récupérer dans le petit étang qui est l'étang de sédimentation et on renvoie en tête de pisciculture. Pour la petite histoire, en 2007, c'était prévu pour tourner à peu près un mois et demi, 2 mois dans l'année. En 2003, elle a tourné 8 mois dans l'année. Donc on manque d'eau, vraiment. Et c'est dans la Nièvre. Hein. Et autonome aussi, donc c'est pas sur la photo, mais les panneaux vont être couverts par des panneaux photovoltaïques. Voilà, l'aquarium de Béziers qui est unique parce qu'on a rematricé du béton branché, c'est-à-dire qu'on a été créé en Grèce un moule d'une falaise grecque. Et on coule le béton sur ces moules-là, ce qui fait qu'on s'imagine que quand on va rentrer dans une grotte grecque. L'aquarium étant évidemment dedans. On a une filtration un peu innovante parce qu'on va couper à 5 microns, et on évite de perdre de l'eau, donc on récupère, on économise 80% de l'eau sur le poste lavage de filtre. Et en plus, on recycle intégralement les effluents salés sur du trafic-trafion, donc 0,02 microns, et on se resserre de cette eau-là pour, en deuxième eau, pour réalimenter soit des bassins qui sont peu demandeurs, soit des eaux de lavage, soit de l'arrosage. Voilà, la production d'Atipa, donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, donc c'est une conception modulaire dans laquelle on intègre tout. Donc la production de provisions qui est en bas, un petit peu pour votre sur la photo, les closeries, la nurserie et les six circuits de bassins de pré-grossissement qui vont permettre d'avoir 6 bandes de production à l'année et d'envoyer ça sur les étangs. Tout ça, on met tout ça en conteneur, donc tout est en train d'être chargé en ce moment, ça va être empoté au Havre et livré probablement fin d'année. Et c'est très rationalisé, puisque le but du jeu, la Guyane est un petit peu loin, le but du jeu, c'est d'avoir des équipements qui sont très, très redondants, de manière à avoir un minimum de pièces détachées. Donc, on n'a qu'un seul modèle de pompe dans tout ça. Quoi. Voilà. Grossissement d'aide urgent. Donc là, je ne peux pas trop en parler parce qu'ils n'ont pas voulu. Donc, c'est juste l'ultra-filtration que j'ai mis en plan. C'est 2 circuits fermés de 700 m3, 1 800 m² construits et 100 tonnes de biomasse. Et c'est pensé pour être. C'est pour des gros poissons, en fait.
et la recirculation est intégrale, on traite les phosphates en sortie. Et on retraite aussi un module ultra-filtre avec une partie des effluents qu'on réinjecte dans la pisciculture parce qu'on n'a que 16 mètres cubeurs et on ne peut pas avoir plus. Donc on est obligé de forcer fortement sur la recirculation. Voilà. Nos atouts, bon voilà, 37 ans d'ancienneté, je vais vite, mais des compétences transversales, c'est-à-dire qu'on a des bases sur un peu tout autour du bâtiment. On ne fait que le focus sur la pisciculture, mais on donne des billes à tout le monde, autant la structure que l'électricité, que voilà, on alimente la machine à l'étude. On essaie d'être disponible, on essaie d'être interactif avec les solutions informatiques que je vous ai présentées. On essaie d'être polyvalent aussi pour s'adapter à ce que les clients veulent. Et c'est un réseau aussi, puisque je n'ai plus de temps, vraiment, mais j'ai quand même sélectionné pendant 20 ans des partenaires qui sont maintenant réguliers et expérimentés, donc qui savent ce que c'est qu'une pisciculture, qui savent ce que c'est qu'intervenir dans zone occupée avec des poissons qui vivent autour. On a des assureurs qui enfin nous suivent à peu près parce qu'ils détestent l'aquaculture et l'aquarium parce que pour eux ça représente des risques énormes qui sont pas statistiquement représentés. Et une expertise malgré tout de plus de 300 projets qui constitue un peu la base de la valorisation de cette entreprise. Voilà, et ben, je vous propose de rester en contact. Si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes pour des questions. Merci Hervé. Merci pour la présentation, c'est intéressant. C'est une question un peu opportuniste et orientée, donc l'aquarium de Paris. Est-ce que tu as une idée de recherche qui pourrait être faite pour des matériaux, pour les vitres, pour équiper les vitres des bassins de manière à protéger les animaux des flash visiteurs, qui est la menace principale en aquarium, mais on n'a pas de matériaux translucides qui permettent de protéger les poissons. Et ça n'existe pas en plus, parce que l'acrylique est ultra pas normé comme matériau, et ça a la particularité d'avoir une densité équivalente à celle de l'eau, c'est-à-dire que la lumière se propage dedans sans reflet, donc malheureusement, absolument pas. À part les lunettes de soleil, de poisson, je ne sais pas. Je vais enchaîner. Merci Hervé. Ce que je vais vous présenter va être une belle continuité avec ce qu'Hervé vient de nous présenter. Mais nous, on a beaucoup moins d'années d'expérience. Mais quand même, je vais commencer ça avec un petit vidéo corporatif de 3 minutes. J'ai eu l'idée d'un collègue hier soir à minuit qui me dit « Ah, mais t'as-tu une vidéo intégrée dans ta présentation? » J'ai fait « Ben oui, c'est vrai, j'ai payé un certain montant pour m'en faire une erreur l'année passée. » J'ai seulement hier soir, j'ai eu l'idée de le présenter, donc 3 minutes seulement. C'est spécialisé dans le développement de thermacompany commerciale. C'est un qui provient des fruits, des légumes et du poisson, des produits qui sont très rares et locaux, tout le monde en quelque part les conditions. Notre mission, c'est d'accroître l'autonomie alimentaire des villes et des territoires en accompagnant les individus et les organisations dans le développement de leur propre thermacompany. Alors, ce qui nous motive, c'est d'apporter une solution concrète et ainsi participer à la transition vers une agriculture à plus faible impact environnemental et contribuer à l'effort collectif pour comprendre le plus. L'aquaponie, c'est la symbiose entre l'élevage d'organismes aquatiques, ce qu'on appelle l'aquaculture, et la production de plantes hors sol, qu'on appelle l'hydroponie. En aquaponie, on convertit les déchets aquacoles en fertilisants pour les plantes. L'aquaponie est formée de trois grandes composantes. La première étant l'aquaculture en recirculation. Ensuite, on vient faire le traitement des effluents aquacoles dans le système de minéralisation. Et ensuite, on transfère les nutriments dans les espaces de culture de plantes, donc que ce soit l'horticulture intérieure ou la culture en serre. Et tout ça, mis ensemble, s'insère dans les grands principes d'économie circulaire. Chez Rio, on se démarque de deux façons d'un point de vue technologique. La première, c'est qu'on travaille presque exclusivement avec des technologies d'aquaponie découplées. Puis ensuite, on a développé un système de minéralisation qui permet de valoriser la quasi-totalité des effluents aquacoles.
Dans les fermes aquaponiques qu'ils conçoivent, on arrive à réduire jusqu'à 90 % la consommation d'eau si on compare, par exemple, à l'agriculture conventionnelle. Ensuite de ça, on va venir réduire de façon significative l'utilisation d'engrais ou de pesticides. Et finalement, on va avoir des rendements très intéressants en aquaponie. Nous accompagnons le développement de fermes aquaponiques à toutes les étapes. La co-création avec les porteurs de projets et pour impliquer les acteurs du territoire, les études de marché, études techniques, réglementaires, afin vraiment d'avoir une conception qui est sur mesure, qui vient répondre aux contraintes d'implantation locale et assurer la rentabilité du projet. Ensuite, construction, installation. Et où on va vraiment superviser l'installation du système de production alimentaire en aquaponie et travailler en collaboration avec des ingénieurs, des architectes qui sont impliqués dans la conception. Formation, nous formons avec une formation qui est professionnalisante les futurs opérateurs et gestionnaires de ces fermes afin d'assurer leur pleine autonomie. Nous développons également le réseau EO. Il vise à soutenir dans la durée les fermes aquaponiques commerciales qui sont mises en route et opérationnelles, notamment avec notre système de monitoring MAIA. Et grâce à une série de capteurs qui sont partout dans la ferme, viennent mesurer des données et permettent d'optimiser les procédés et les processus d'une ferme aquaponique. À travers le réseau EO, il y a également des services d'assistance technique, de maintenance, du partage d'innovation, des achats groupés et des services liés à la mise en marche. Les projets d'EO s'étendent tant à l'échelle provinciale qu'internationale, en milieu ruraux et en milieu urbain. EO collabore avec une multitude de clientèles, que ce soit des organismes à but non lucratif, des entrepreneurs, des agriculteurs et les communautés autochtones. Notre ambition chez EO, c'est de développer l'aquaponie comme une solution aux enjeux de sécurité alimentaire actuels et ainsi de participer à la construction des systèmes agricoles et alimentaires de notre pays. Voilà, je me présente. Avant de me présenter, je veux juste remercier Fabrice et tous les autres organisateurs aussi qui ont rendu cet événement possible. J'arrive d'un autre congrès en aquaponie il y a deux semaines aux États-Unis. On était franchement, on est vraiment bien reçus ici à Saint-Pierre-Miquelon. Donc, merci beaucoup. Donc, ce petit vidéo va me permettre d'aller beaucoup plus vite sur les premières slides. Donc, ça se peut que j'espère qu'il n'y a pas d'épileptique, ça va aller vite. mon parcours, très brièvement, j'ai commencé, moi, en informatique, en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai décidé de changer d'orientation de carrière vraiment pour des raisons environnementales. Je souhaitais essayer de trouver des solutions à différents enjeux, puis un des enjeux qui me parlait particulièrement, c'est toute la pression de pêche sur les ressources halieutiques, etc. Et je m'étais dit, la solution, ça va être de faire de l'élevage de poissons parce qu'on ne va pas arrêter d'en manger. Donc, j'ai carrément changé de carrière. Je me suis lancé dans un bac en biologie pour comprendre un peu toutes les notions en ichtyologie, physiologie des poissons, etc. J'ai poursuivi en maîtrise en aquaculture en recirculation. Je suis allé faire des certificats aux États-Unis, notamment à Cornell puis à Stevens Point au Wisconsin, en design de systèmes aquacoles en recirculation. Puis j'ai fait quelques projets en aquaponie. J'ai testé autant l'élevage d'incubation, l'élevage larvaire, de l'engraissement, différentes espèces, principalement des espèces d'eau froide, puis évidemment que des espèces d'eau douce, donc ombre chevalier, un peu d'ombre de fontaine, truite arc-en-ciel beaucoup, persidé aussi, donc avec la perche chaude et le doré jaune. On a fait des projets avec différents types de plantes aussi, bien sûr, toutes les verdures, aromates et compagnie, mais aussi plantes à fruits, concombres, tomates, etc. J'ai commencé l'aquaponie dans ma cour, comme la plupart des gens qui se lancent là-dedans, mais j'ai travaillé aussi sur des projets plus commerciaux, semi-commerciaux, mais la majorité de mon expérience est vraiment plus dans des systèmes de type laboratoire. J'ai développé une ferme aquaponique couplée dans des conteneurs maritimes que j'ai construit, puis je l'ai opéré pendant 3 ans dans des conditions nordiques. On vendait à des restaurants, le public, cafétéria et compagnie, puis j'ai travaillé sur plusieurs autres projets de recherche en recirculation et en aquaponie. Puis pendant ce temps-là, en 2016, moi, j'ai fondé EO, donc vous avez compris, c'est pour un acronyme pour écosystème alimentaire urbain.
Vous savez ce qu'on fait, on a plusieurs projets au Québec, un en France et un au Sénégal, un au Cameroun. Différentes étapes d'avancement, certains sont en montage financier, d'autres sont en conception, d'autres sont en co-création avec la communauté. On trouve ça très important de toujours consulter les parties prenantes de la communauté avant d'implanter un projet de ferme accompagnée. Maintenant que les produits qui vont être produits vont être vendus, à quel prix pour assurer la rentabilité justement de ces fermes-là. Donc, voilà, l'aquaponie, vous savez maintenant c'est quoi. On travaille pas en aquaponie couplée pour 95% de nos projets, sauf les projets plus à location éducative. On va être en aquaponie couplée, donc c'est vraiment la même masse d'eau qui part des poissons aux plantes, etc. Nous, on travaille vraiment plus en aquaponie découplée, vu qu'on travaille avec des espèces de poissons d'eau froide principalement. L'homme chevalier, on fait l'élevage à 12 degrés. Puis les tomates en serre, l'eau est à 24-26 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de travailler sur des systèmes qui sont vraiment découplés. Donc, il y a une boucle d'abord. Souvent, il y a plusieurs boucles en fait dans la partie aquacole. Mais tous les rejets sont envoyés dans un système de traitement des effluents de poissons qu'on appelle, je vais revenir tantôt, mais on appelle ça la minéralisation. Et ensuite, en sortie de traitement d'eau, on envoie ça soit dans les serres ou lorsque les projets sont à l'intérieur, bon, des étagères de culture ou même des hip-grow comme ceux qui ont pu visiter la ligne verte hier. Donc, juste visuellement pour donner une idée à quoi ça ressemble. La partie aquacole, les traitements des eaux et les différents types de techniques de culture horticole. Donc, nous, pour répondre à notre mission, ce qu'on s'est dit, c'est que, étant donné aussi qu'on travaille en aquaponie, qui est une technologie relativement émergente, nouvelle, on a décidé d'attribuer environ une quinzaine de pourcents de nos ressources financières et humaines vers de la recherche et développement, la veille technologique également. Donc, on s'est doté d'une stratégie de recherche et développement sur trois axes. Le premier étant au niveau de la réduction de l'empreinte environnementale des fermes sur lesquelles on travaille. Ensuite, au niveau de la diversification des produits qu'on est capable de produire en aquaponie. Il y a quelques années seulement, l'aquaponie, c'était du tilapia de la laitue. Il n'était pas question de faire autre chose. Maintenant, plusieurs ont démontré, on peut faire vraiment un peu de n'importe quoi. Puis finalement, pour assurer la rentabilité des fermes, puis aussi réduire les extras, là, on travaille sur l'optimisation des procédés. Donc, réduire les intrants, les extras, réduire les coûts opérationnels, réduire les besoins en main-d'œuvre, parfois dans certains contextes. Et pour développer cette stratégie-là, on s'est doté d'un laboratoire. Donc, c'est à Montréal, c'est au troisième étage d'un building en plein cœur de la ville. Donc, c'est ça, c'est juste à côté de nos bureaux. Je sors de mon bureau, c'est une minute à pied, je rentre dans mon lab. Donc, c'est un système qui est découplé. On a des triplicateurs pour permettre de faire un petit peu de... pour pas qu'il y ait de pseudo-réplication et compagnie. Il y a trois bassins aquacoles, trois étagères horticoles, système d'alarme, système de monitoring. Du matériel d'analyse et évidemment du personnel sur place. Donc, un peu d'image. On mène plusieurs projets de recherche. On va passer extrêmement vite. On vient de m'informer qu'il reste 5 minutes. Donc, on travaille sur les substrats de germination pour réduire l'empreinte environnementale des fermes. On travaille sur la minéralisation. On travaille avec des spectres de lumière différents qui ont des impacts sur les propriétés organoleptiques des plantes, etc. On travaille aussi à la domestication de la perche chaude et du doré, et on travaille sur le développement de modèles mathématiques qui vont venir nourrir Maya, que la vidéo vous a présenté tout à l'heure. Donc, très brièvement, la minéralisation, c'est un processus, comme vous pouvez savoir, de décomposition de matière organique pour rendre les déchets des poissons assimilables par les plantes. Vous savez, les poissons d'eau froide ont un taux de conversion alimentaire vraiment très intéressant, mais c'est pas parce qu'on donne 1,1 kg de moulé à une truite, par exemple, qui va effectivement produire 1 kg de truite. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de rejets qui vont en résulter, parce qu'un kilo de truite, c'est 75% d'eau. Donc, tout le reste est jeté à travers des fesses ou encore de la moulée qui est non consommée. Il reste encore beaucoup de nutriments là-dedans qu'on peut valoriser pour les plantes.
On a fait des premières prototypes, disons, pour arriver à un concept de système de minéralisation à deux écosystèmes. On va le voir plus tard, mais avec un écosystème anoxique et un écosystème aérobique. Rapidement, au niveau de la méthodologie, on donnait jusqu'à 1 kg par jour à des terres chaudes et des dorées. On faisait des backwash du filtre dans le système de minéralisation. Il y avait un traitement. Ensuite, on envoyait ça aux plantes. On récoltait à peu près une douzaine de kilos par semaine. On récupérait l'eau évapotranspirée avec un déshumidificateur pour le retourner au poisson. Donc, sur le continuum backwash, anoxie, aérobie et solution nutritive, on observe les résultats suivants sur quatre paramètres assez basiques. Au niveau de la température, on voit une augmentation de la température dans le bassin d'aérobie, ce qui signifie une activité microbienne, bien sûr. On observe également une diminution du pH jusqu'à la solution nutritive à peu près à 6,5. Les paramètres qui indiquent la richesse en solution en nutriments dans l'eau, donc les TDS, les total dissolved solids, et l'électroconductivité, on voit qu'ils ont une tendance à augmenter. On a obtenu même jusqu'à 1400 microsiemens d'électroconductivité dans notre solution nutritive. Et croyez-le ou non, ça, c'est le résultat du traitement et ça provient de backwash de poissons, de filtres de poissons. La matière en suspension est vraiment toute dégradée. Par contre, on est dans un contexte où il n'y a peut-être pas assez de poissons. On est dans des densités de 20 kg par mètre cube. La raison, c'est parce que c'est des géniteurs qu'on maintient dans notre laboratoire parce qu'on travaille avec l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour développer justement une filière qui va pouvoir approvisionner les futures piscicultures en alevant de doré et de perche chaude. Il n'y a pas vraiment de production de ces espèces-là et il y a une forte demande sur le marché. On a fait une étude de marché en 2021. Donc, les prochaines étapes, on travaille avec le Centre de technologie de l'eau et Génome Québec pour faire des analyses génomiques sur les micro-organismes qui sont impliqués dans le processus de minéralisation en anoxie et aérobie, et aussi pour valider qu'en aquaponie, on fait de la nourriture fraîche « food safe ». Donc, toutes les données qui m'ont permis de présenter ça, sont toutes récoltées avec notre application de Maya, qui a pour objectif vraiment de rendre les opérations plus simples pour certains. Il y a certaines communautés des Premières Nations avec qui on travaille, que c'est quand même assez nécessaire d'avoir ce support-là avec cette application-là. Donc, l'idée de Maya, c'est vraiment de développer le réseau EO qui vont permettre d'accumuler encore de plus en plus de données. Donc, avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en aquaponie découplée. Et là, on est à l'étape là, en phase 2. On est capable d'avoir des rétroactions sur le système, sur des pompes, sur différents équipements dans les systèmes. Donc, merci là, à nos très nombreux partenaires. Et j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Pour des questions. Benjamin, pour l'aquaponie, est-ce que c'est la même réglementation qui s'applique pour les espèces qu'il est possible d'élever ou s'ils considèrent qu'on peut avoir plus de latitude étant donné que normalement on ne s'attend pas à des échappements? Parce que c'est quand même assez restreint. Ceux qui savent, au Québec, dans la plus grande partie du territoire, on ne peut faire que l'élevage d'espèces indigènes. Oui. Oui, on est soumis effectivement là, à la même réglementation, que ce soit en aquaponie ou pas, puis qu'on soit en totale recirculation dans un bâtiment à Montréal, comme je fais là. Si je voulais vendre mes poissons, je n'aurais pas le choix de passer par tout le processus extrêmement long et complexe. Dans certains projets sur lesquels on a travaillé, ça prend 3 ans. Avant d'avoir l'autorisation, même si on démontre qu'il n'y a aucune possibilité de relâchement de ces espèces-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'intéresse à faire la domestication de la perche chaude et du doré, parce que dans plusieurs bassins versants au Québec, il y a la possibilité de faire ces espèces-là. Super. Mmh.
Est-ce que votre expertise ou votre infrastructure pourrait éventuellement s'appliquer à des systèmes avec de l'eau salée? Ou est-ce que vous avez déjà comme réfléchi à ça ou quels seraient les sites d'intérêt? C'est une super bonne question. Moi, j'ai aucune expérience en eau salée. En fait, la mer, c'est la troisième fois de ma vie, je la vois là, depuis que j'arrive ici. Oui, ça pourrait être possible, mais il faut vraiment y aller avec... en fait, c'est comme M. Chopin fait en aquaculture multitrophique, par exemple, mais en eau salée, produire de la tomate, c'est impossible. Donc, toutes les plantes maraîchères poussent en eau douce. Donc, il faudrait y aller vraiment avec de l'algoculture, des choses comme ça. Là. Mais nous, on a exactement zéro expérience en eau salée. Oui, ça se fait. Hein. Ça se fait en France, il y a des petites structures. Ils font de la salicorne avec du bar commun. C'est pas le moral saxatis que vous avez là. C'est pas le barrier, c'est le bar. Moi, j'avais une question, c'est sur la thermie, parce que ça fait quand même 5 ans que je m'intéresse à ça et je pense qu'il y a une maîtrise zootechnique, il y a une maîtrise technologique. Mais comment vous gérez la thermie? Parce que tu as bien dit que tu travailles à 12 degrés et à 24 de l'autre côté. Ouais. Et si on veut faire. Comment vous gérez ça? Ouais, dans tous nos projets, on travaille avec des ingénieurs en électromécanique. Lorsqu'on composante d'horticulture intérieure, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de LED, ça génère beaucoup de chaleur et cette chaleur-là est réutilisée pour justement venir chauffer l'eau qui sort des poissons. Donc l'eau qui sort à 12 degrés, qui sort dans le système de minéralisation, on l'a vu très, très, j'étais très bref, là, mais ça rentre, bon, c'est ça, dans ce cas-là, c'était à 16 degrés. Mais après ça, tu as le processus de minéralisation, puis on peut intégrer, c'est des réseaux glycol qui vont rentrer dans la glycule aérobie, qui vont permettre de faire chauffer l'eau pour augmenter justement, entre autres, l'efficacité du processus aérobique, mais c'est aussi pour valoriser, extraire la chaleur qui est produite dans les étagères de plantes. La question? Juste pour compléter un peu, là, durant l'hiver, on utilise exactement la même stratégie. On utilise justement des étagères de culture avec des grosses LED, etc., puis on envoie ça dans les serres. Donc, on est capable de chauffer nos serres avec l'énergie thermique produite par l'éclairage horticole à l'intérieur. On va accueillir maintenant Guillaume Gaucher, qui va nous parler d'écologie aquaponique en manière. Donc, merci Benjamin. Ça me permet de faire le lien justement et d'embrayer. Donc là, je vais vous présenter en fait ce que nous on fait et le développement de l'aquaponie en France. Faire une présentation un peu générale de l'état de l'art de l'aquaponie en France et ensuite expliquer un peu ce qu'on fait nous spécialement avec l'aquaponie. Donc, Écologie Aquaponia, donc c'est deux entreprises, on va dire, ça fait maintenant 17 ans qu'on est sur cette belle aventure humaine. Vous verrez que je vais en reparler. Et en fait, c'est basé sur deux bonhommes, mon meilleur ami et moi. Donc, on a 4 jours d'écart. On est né dans la même maternité à Laval, en Mayenne. Lui, il est plutôt spécialisé en commerce. Et moi, plus, je suis ingénieur agronome de formation, spécialisé en production aquacole. Et donc, toute cette histoire-là, il est en ce moment en France pour gérer... J'avais la boutique pendant que moi, je me balade à Saint-Pierre-et-Miquelon. Rapidement, donc moi, j'ai fait mes études à l'Agro-Paris, anciennement Institut National Agronomique de Paris-Grignon. Et donc, j'ai beaucoup travaillé en aquaculture pendant les premières années, notamment là, on voit au Mexique. Ici, j'étais en Australie, je travaillais sur l'ormeau. Là, j'ai fait un court séjour à Madagascar sur la crevette, je suis parti en courant. Ma plus grosse expérience, c'était le salmonidé, donc en Islande, sur lequel je faisais du repeuplement pour les rivières. Et j'ai aussi une expérience de gestion d'hôtel, parce que vous allez voir que le projet Écologie Aquaponia, il y a une composante tourisme. Et donc, pendant 5 ans, je co-gérais la création du projet Écologie en même temps que je gérais un hôtel sur une station de ski en Suisse. Donc, l'idée, c'est qu'on a mis en place un espèce de projet qui sortait de Saturne. On est en Mayenne, sur la ville de Laval.
avec on est vraiment pas très loin de Paris, on est à moins d'une heure et demie en train de Paris. Et donc, pour ceux qui connaissent, là, c'est la Bretagne, là, c'est la Normandie. Et donc, la Mayenne, on considère que c'est le paillasson de la Bretagne. Les Parisiens viennent s'arrêter pisser quand ils vont en Bretagne pour les vacances. Et c'est à peu près tout. C'est très peu peuplé et beaucoup, beaucoup d'agriculture. Donc, c'est un site qu'on a racheté. On l'a racheté à 36. C'est une grosse aventure humaine. C'est un site qui était exceptionnel parce qu'il y a un gros passé historique. Il y avait la production de chaux. Donc, on extrayait le calcaire pour produire la chaux. Puis ensuite, il y a 50 ans, ça s'est arrêté. Donc, toutes les carrières se sont remplies d'eau. C'est la nappe phréatique. Et donc, les hommes qui s'en vont, plus l'eau en grande quantité égale une biodiversité explosante. Donc, on a vraiment un site particulièrement intéressant. Et donc, nous, notre projet, évidemment, c'était de conforter cette chose, donc l'eau, l'écologie, le patrimoine local, en y rajoutant une composante humaine. Donc ça, c'est Ecologia en 2006, quand on est devenu quand on a découvert le site. Donc c'était des ruines, forcément. On est passé à partir de 2010 à la phase travaux, donc on a tout foutu par terre pour remonter. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. Et donc je m'arrête pour le moment là-dessus sur Ecologia pour vous dire que si à la fin j'ai encore un peu de temps, ce que je ne crois pas, j'aurai quelques photos à vous montrer. Donc, en gros, le site, c'est un site qui fait 80 hectares. Je sais pas le... Si, là. C'est un site qui fait 80 hectares et nous, on va se concentrer sur la partie Aquaponia qui est vraiment concentrée vraiment sur ce qu'on appelle le village historique qui est ici. Donc, la mise en place de l'aquaponie en France. En gros, l'aquaponie, merci Benjamin d'avoir présenté ce que c'était, mais moi j'aime bien dire, en fait, c'est la double production de protéines animales et de protéines végétales dans un système fermé, où on fait intervenir un microbiote qui est vraiment la clé de voûte de l'ensemble, donc tous les processus de minéralisation, etc., dont tu as parlé, Benjamin. Et en fait, le terme aquaponie est né aux États-Unis dans les années 70-80 avec des universitaires, hein, notamment à l'Université de Caroline du Nord, et surtout avec le travail de James Rakoczy qui a vraiment, vraiment développé l'aquaponie à échelle commerciale avec ce système, je vais en reparler tout à l'heure, qui s'appelle UVI pour l'Université des îles Vierges américaines, donc University of Virgin Islands. Donc ça, c'était vraiment le premier concept d'aquaponie à échelle commerciale. Donc, quand c'est arrivé, en Europe, c'est assez tardif, puisqu'on est dans les années, vous voyez, 2011, 2012, 2013, et là, il y a eu un projet COST européen qui est disponible en ligne, si vous voulez lire, mais en gros, le résumé, c'est de dire que l'aquaponie, ouais, c'est une bonne opportunité, ça pourrait être cool pour l'avenir. Voilà, pour faire simple. Donc, je crois qu'il y a une diapo qui a sauté, non ? Non, mais je ne veux pas passer. C'est pas grave. C'est le jumping, je vous l'avais dit, c'est pour les épileptiques. Hein. Allez. Donc, il y avait une diapo juste avant qui présentait donc, l'arrivée en France. Mais en gros, l'arrivée sur le territoire français, c'est vraiment dans les dom-toms que ça a commencé, notamment en 2001 en Martinique, puis 2012 à l'île de la Réunion, puis ensuite sur Tahiti. Et ça arrivait beaucoup plus tard, donc sur le territoire français, 2014. Sur la métropole. Et il y a eu, dès 2014, par contre, un projet, je ne peux pas faire la présentation sans parler d'APIVA. APIVA, c'est un gros projet scientifique qui a été mené pendant 8 ans. Il y a eu une construction de 3 fermes expérimentales sur le territoire pour pouvoir faire des expérimentations. Et issu de ces travaux-là, il y a eu un premier bouquin qui s'appelle « Aquaponie associée à aquaculture et production végétale » qui est paru. Et il y a un deuxième ouvrage qui est en cours. Et c'est vraiment les premières ressources vraiment très intéressantes qui permettaient de confronter ce qu'on avait compris de l'aquaponie aux États-Unis avec une réalité plutôt française et avec des considérations françaises. Donc, les fermes commerciales, la première clé, c'était d'essayer de trouver un modèle économique rentable. Tu en as parlé, Benjamin, ce n'est pas une chose forcément très facile. Et donc, là, on voit une ferme américaine, on va dire classique, qui est basée sur un modèle UVI, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est la première ferme aquaponique française sur le territoire métropolitain qui a été montée. Et en fait, on est vraiment sur un système qui est très équivalent. En gros, on a fait un copier-coller à peu de choses près du modèle américain, avec des tailles de ferme par contre plus grandes. En France, on était sur de l'ordre de 1000 à 3600 m² de serre. Et donc, les premières fermes, donc là, je vous ai mis toutes, enfin, j'ai essayé d'être exhaustif, donc je ne vais pas les présenter toutes, hein, vous les aurez dans la présentation, vous pouvez les revoir si vous cherchez sur Internet des informations. L'idée, c'est que les premières fermes se sont vraiment créées sur ces modèles-là.
Et ensuite, il y a une deuxième influence, c'était l'influence australienne, avec notamment Murray Hallam et ses systèmes combinés, qui intégraient ce qu'on appelle des gravières ou des cultures sur substrat. Et il y a une dernière influence qui est en train de voir le jour, qui pousse pas mal en France en ce moment, c'est la sabloponie, donc c'est la culture sur sable. L'idée, c'est que, donc là, c'est encore d'autres fermes françaises qui sont plutôt orientées sur le modèle australien ou sur le modèle sabloponie. Et ensuite, on a, donc, vous voyez, ça fait déjà quand même pas mal de fermes. Il y a déjà une trentaine de fermes hein, en France. C'est ce qui fait qu'on est le pays en Europe où il y a le plus gros développement à échelle commerciale de l'aquaponie. Et quels sont les facteurs bloquants? Ben, écoutez, quand on regarde ça, en fait, ça, c'est le modèle américain, tilapia sur salade, tu l'as dit tout à l'heure, Benjamin. Le modèle français, on pourrait se dire, ben, ça va être carpe sur salade. Sauf que nous, on veut rajouter en plus des fruits. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes demandes en nutriments. Et il y a juste un petit problème, c'est que bah, en France, le tilapia n'étant pas autorisé, on est obligé de réfléchir à une autre espèce, donc pourquoi pas la carpe. Mais le problème, c'est que la carpe, personne ne va en manger, à part en Lorraine, dans l'est de la France, parce que bah, ça intéresse absolument personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, on s'est dit, c'est pas grave, on va aller vers le poisson roi, s'il veut bien passer. Il est capricieux le truc. Là. Donc le poisson roi en France, c'est la truite. Donc là, c'est une arc-en-ciel. C'est, le marché français est ultra déficitaire en truite. On est vraiment un gros pays consommateur de truites. Et donc du coup, tout le monde s'est dit, bah, c'est pas grave, on va mettre des truites dans nos bassins. Sauf que le petit détail qui est important, c'est que la truite, c'est un poisson d'eau froide. Mettre ça dans des bassins qui sont dans une serre à haute température, ça crée des problèmes. Et donc, en gros, les aquaponistes de la première heure ont commencé à casser du poisson tous les étés. Et donc, on en est arrivé à une situation où finalement, bah, il y avait du poisson qu'en hiver, parce qu'en été, ça ne tenait pas la marée. Donc, il y a une grosse adaptation derrière de se dire, bah, tiens, on va mettre d'autres poissons. Donc, nous, c'est le cendre, la perche commune, les surgeons aussi, avec évidemment l'idée de se faire des caviars peut-être, qui sont des poissons plus tolérants à la température. Et d'une manière générale, il y a eu une adaptation des fermes. Donc, les fermes qui sont sorties après, où on tenait beaucoup plus compte du poisson dans la manière dont on concevait la ferme. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des projets de très grande ampleur, donc je vais faire juste un focus sur deux, enfin trois d'ailleurs, les trois premières. Ça, ce serait la première ferme aquaponique de plus d'un hectare en France. Ça, ce serait la plus grosse ferme urbaine aquaponique de France qui serait à Paris. Et ça, pour répondre à une question tout à l'heure, c'est de l'aquaponie en eau salée, mais en fait, c'est de l'eau saumâtre, et ils utilisent des systèmes pour faire de la crevette sur le territoire métropolitain avec de l'eau, bah, de l'eau saumâtre. Donc là, je vous ai présenté l'aquaponie, on va dire commerciale. Il faut savoir que ça se développe aussi beaucoup à l'échelle domestique, mais je vais laisser Christophe me présenter ça tout à l'heure, puisque ça, c'est sa serre, et je passe rapidement pour gagner du temps. Et donc là, on arrive à Ecologia et à ce que nous, on a voulu développer. Il faut savoir que nous, dès 2006, alors que vous rappelez l'aquaponie arrivée en 2014 sur le territoire, dès 2006, on proposait de mettre en place quelque chose en lien avec l'élevage de poissons et quelque chose d'écologique. Et on a donc développé ce que nous on appelle le showroom de l'aquaponie, avec les premiers systèmes qui sont arrivés sur Ecologia en 2014. En 2017, on a gagné un titre à l'échelle nationale qui nous a valu d'être récompensé pour nos actions en faveur du développement de l'aquaponie. Ouais, je sais. J'ai pas prévu de question, hein, donc vous inquiétez pas. Et donc, en fait, on a un showroom sur lequel on a 17 systèmes différents, de tailles différentes, qui permettent de voir ce qu'est l'aquaponie. Et on fait énormément d'animations, de rencontres avec tous les publics. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu, au fil du temps, un acteur majeur dans le développement de la filière aquaponique en France. Parce qu'en 2019, moi, j'ai pris ma voiture et je suis parti à la rencontre de tous ceux qui disaient faire de l'aquaponie en France. Et pour essayer de discuter avec eux et leur dire, les gars, ça serait bien de réfléchir à des choses concrètes pour la filière. Notamment, ça serait bien de définir l'aquaponie. C'est quoi qu'on appelle concrètement l'aquaponie? Benjamin, tu parlais d'aquaponie découplée. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est quoi l'aquaponie? Ensuite, des référentiels, des guides de bonnes pratiques. Un cadre réglementaire, parce que faire de l'aquaponie, c'est hyper compliqué. Vous êtes agriculteur, vous êtes aquaculteur, c'est un vrai sujet. Et ensuite, la mise en place, pourquoi pas, d'un label aquaponie, parce qu'on ne peut pas être bio, en tout cas en France. Aux États-Unis, on peut, mais en France, on ne peut pas être bio, parce qu'on est hors sol.
Donc, du coup, on a pris notre courage à deux mains et on a essayé de faire pas mal de choses sur plusieurs choses. Alors, on a contribué très activement à la définition de l'aquaponie, donc ça devrait faire plaisir à Thierry, puisqu'on est parti du fait que c'était à la base un système d'aquaculture multitrophique intégré, mais complètement fermé et hors sol. Et ensuite, nous, on s'est mis dans beaucoup, beaucoup de réseaux à l'échelle française, je ne vais pas les présenter, ça n'a pas d'intérêt ici, en agriculture urbaine et en aquaculture. Et ensuite, on est arrivé très rapidement à la conclusion qu'en fait, l'aquaponie, c'était source de nouveaux métiers. Et donc, moi, je dis souvent, il faut faire 5 jobs quand on est aquaponiste. Il faut savoir être aquaculteur, hydroculteur, il faut connaître la physico-chimie de l'eau et la microbiologie, il faut savoir gérer l'eau, l'air, donc les fluides, etc. Et puis, accessoirement, gestion d'entreprise, puisque l'idée, c'est d'en vivre. Et donc, en gros, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait professionnaliser l'aquaponie en France avec ces nouveaux métiers. Donc en 2019, on a fait tout un travail pour faire reconnaître l'existence de l'aquaponie, des nouveaux métiers de l'aquaponie auprès de l'État français. Et on a fait donc reconnaître 2 nouveaux métiers, opérateur technique, donc slash ouvrier en aquaponie, et technicien supérieur en aquaponie. Donc ça, ça a été un gros boulot. Et l'idée derrière, c'est que rapidement, on s'est dit, pour ces deux métiers-là, ça serait bien d'avoir des formations adaptées, de qualité, et qui soient certifiantes, ça serait bien. Et donc, en gros, on a fait, depuis 2020, on est le seul centre de formation en aquaponie en France professionnel qui permet de délivrer des titres d'État pour les métiers de l'aquaponie, sachant que l'idée, c'était que les premières fermes aquaponiques qui se sont montées, il y en a déjà quelques-unes qui ont fermé leurs portes, ce qui est dramatique, bon, déjà humainement pour les familles, mais surtout aussi pour la filière. Et donc, l'idée pour nous, c'était de contrer en amenant les compétences qui manquaient aux gens quand ils étaient porteurs de projets. Donc, vraiment, nous, on se concentre sur les porteurs de projets pour qu'ils soient vraiment armés pour aller là-bas, parce que c'est un vrai combat d'aller monter une ferme aquaponique. Alors ça, c'est un grand plaisir pour nous, c'est que l'année prochaine, on va avoir, ça c'est un de mes étudiants de l'année dernière, qui va monter sa ferme aquaponique commerciale sur le site Ecologia. Donc ça veut dire qu'on aura sur place une production double et de cendres et d'ombles de fontaine qui permettra pour nous d'avoir ce support pédagogique supplémentaire. Donc, on a organisé pas mal d'événements en lien avec l'aquaponie. On a fait venir des gens connus, notamment Thomas Pesquet. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, mais en tout cas, c'est un astronaute et puis c'est un ami. Donc, il est venu déjà 2 fois sur Ecologia. Günther Pauli qui est venu. On a organisé le premier salon national de l'aquaponie en 2020. Il y avait plus de 250 pros. L'année d'après, on a fait les rencontres de l'aquaponie professionnelle. L'année d'après, on a fait le deuxième salon de l'aquaponie. Je remercie Fabrice d'être intervenu à chaque fois. Et ensuite, on a donc le deuxième salon. Il y avait encore plus de 200 pros. C'était vraiment une super aventure. Et puis, alors, petit clin d'œil, tous les t-shirts bleus, c'est des gens qui sont passés par les formations. C'est vraiment chaud au cœur de voir des gens qui bénévolement venaient essayer de prêcher l'aquaponie auprès de tous les gens qui étaient présents, donc c'était vraiment génial. Cette année 2023, on s'est exporté, on est allé à Paris et on a fait donc les rencontres de l'aquaponie. Christophe était présent, donc pour essayer de promouvoir cette belle technique. Et ensuite, save the date, l'année prochaine 2024, c'est le 3e salon de l'aquaponie. Donc évidemment, vous êtes cordialement invités à vous inscrire dès maintenant pour y être présent. On a fait aussi des interventions à l'international. Je sais que j'ai plus de temps. On a travaillé sur le projet SPM pour le moment, on va dire en observateur, à voir comment on peut se greffer là-dessus. On est intervenu au Congrès international de l'aquaponie latino-américain, c'était l'année dernière. On était les seuls représentants de l'Europe. Donc, c'était hyper intéressant. Et c'était ma première présentation en espagnol. Je me suis vraiment, vraiment fait peur. Et il y a de ça même pas 10 jours, comme l'a dit Benjamin, on a les 4 seuls francophones au Congrès international d'Amérique du Nord, avec l'équipe de EO et l'équipe des Gataquaponia. Donc ça, c'était ma première présentation en anglais. Donc ça, c'est fait. Je vais terminer sur les différents sujets sur lesquels on travaille en lien avec l'aquaponie, parce qu'on aime aussi beaucoup faire de la R&D sur Ecologia. Donc, nous, on a essayé plein d'espèces de poissons, 27 espèces en aquaponie, pour être précis. Et on s'est vraiment concentré sur certaines espèces à la fin. Mais une question que j'aime bien poser, c'est quoi un poisson aquaponique? Pourquoi je pose cette question-là? C'est parce qu'il y a des gens dont la pratique, c'est de mettre des poissons qui viennent d'une pisciculture, les mettre dans leur système aquaponique et les vendre la semaine d'après.
Ça s'appelle les trempignons. La question, c'est est-ce qu'on peut considérer que c'est un poisson aquaponique avec toutes les vertus du poisson aquaponique qu'on pourrait essayer de vendre? Donc, on a dit, bah, nous, on va essayer de prendre le truc à la racine et on va essayer de montrer qu'on peut faire des poissons aquaponiques depuis la naissance dans un système aquaponique. Et depuis 2017, donc, on est une écloserie aquaponique. On travaille sur, donc ça c'était les tout premiers œufs qu'on avait reçus d'une pisciculture fédérale, et on travaille sur 4 espèces, donc l'ongle chevalier, la truite fario, l'ongle de fontaine et Christy Baumer, ou l'ongle toulali, et donc avec une grosse prédilection pour l'ongle de fontaine, qu'on peut appeler saumon de fontaine, c'est un argument commercial très important en France. En 2021, on avait nos premiers œufs issus de poissons nés en aquaponie. Et donc, cette année, si tout se passe bien, là, on était, c'était l'année dernière, ça, avec quelqu'un que certains reconnaîtront ici, c'est Jessie Loiseau, qui œuvre beaucoup pour l'aquaponie. On espère que si tout va bien, on aura notre troisième génération assez rapidement, donc le de fontaine et de en aquaponie. Donc, moi, ce qui m'intéresse là pour le reste du développement d'Ecologia et d'Aquaponia en particulier, c'est de vraiment travailler sur le développement de la formation et d'une structure R&D collaborative. Donc, l'idée de la formation, c'est que, bon, ça je passe rapidement, c'est qu'on ait des infrastructures dédiées, parce qu'aujourd'hui, en fait, on utilise les infrastructures d'Ecologia, qui est le site d'accueil touristique. Et donc, on est un peu en conflit d'intérêt avec les séminaires, les mariages, etc. Et c'est un peu pénible. C'est sur la partie R&D où vraiment là, on a beaucoup de choses à développer. L'idée étant de vraiment optimiser les systèmes aquaponiques commerciaux qui vont pouvoir être mis en place de manière à évidemment trouver des modèles rentables économiquement. D'avoir une meilleure compréhension des phénomènes physico-chimiques et microbiologiques, parce que c'est vraiment la boîte noire et en même temps, c'est vraiment ce qui va faire que ça va marcher. Et domestiquer des nouvelles espèces qui pourraient déboucher sur une écloserie aquaponique. Donc, nous, on a travaillé et on est en train de travailler sur plusieurs espèces. Là, on a travaillé sur les crevisses. Bon, celles-là, elles sont mortes, elles sont cuites, on est bien d'accord. Pour le moment, c'est parce qu'on essaie de voir si on ne pourrait pas rajouter un maillon trophique dans nos systèmes aquaponiques. On a travaillé sur le black bass et c'est surtout, on va commencer à vraiment travailler dessus maintenant. On a travaillé sur la tanche l'année dernière, ça a été une grosse catastrophe. On va recommencer cet été, l'été prochain. On avait un travail d'études de fin de cursus d'ingénieur en cours en partenariat avec l'UNICEF, l'Université de Lorraine, dont les premiers résultats sont sortis là. C'est super intéressant. On a travaillé notamment sur l'impact des invertébrés sur les systèmes aquaponiques, notamment vers et azelles, donc il y a un crustacé d'eau douce. Donc, on a vraiment pas mal de choses qui sont en cours. Et pour conclure, j'aime bien cette diapo-là. Pour moi, l'aquaponie, ça n'a d'intérêt que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les problématiques qui sont devant nous. Il y a 200 ans, dire on va faire de l'aquaponie, honnêtement, ce serait complètement débile. Il vaut mieux aller faire de la culture en plein champ et puis élever ses poissons et générer bien, comme on a toujours fait. Pourquoi est-ce que l'aquaponie, c'est un vrai sujet qui, à mon avis, est une réponse intéressante pour les enjeux de demain? C'est que ça permet au moins 4 choses à l'évidence: l'économie d'eau, l'économie d'espace, l'économie d'intrants et l'économie d'énergie. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça symbolise vraiment tout l'intérêt qu'il y a derrière le développement de l'aquaponie. Donc, la perception de l'aquaponie, c'est ultra positif, vraiment. C'est quand les gens commencent à découvrir et qu'ils s'intéressent à ça, les gens sont absolument subjugués, c'est merveilleux, etc. Là, j'étais le seul plan-pain à vous présenter ça aujourd'hui, mais Aquaponia, en fait, c'est toute une équipe. C'est juste la partie Aquaponia, mais il y a aussi tout Ecologia derrière. Et donc, je suis évidemment, on est ouvert à tout partenariat pour le futur. Et on a toute une série de vidéos que je ne vous ai pas présentées parce que je n'en ai jamais le temps, sur ce qu'on fait avec Aquaponia Ecologia sur YouTube. Donc, allez voir ça. Et j'en termine ici. Bravo. Ah, bon, ouais. Merci, Guillaume. On va prendre peut-être une question extrêmement brève. Il y en a une. Il n'y en a pas. Oui, j'en ai une. Tu as mentionné que vous aviez, au moins pour une espèce, essayé la production de l'œuf jusqu'à... J'imagine que ça doit... Les conditions étant tellement différentes, souvent pour les gens du stade, ça doit prendre des installations complètement différentes. Et c'est la même qui est ajustée selon la période cyclique. Nous, on part du principe qu'on essaye d'être le plus simple possible. Donc, en fait, moi, j'ai reproduit tous les protocoles que je connaissais de mes expériences en Islande, en me disant, je vais les adapter simplement au fait que je suis dans un système aquaponique. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que l'eau soit aquaponique et que donc elle est
Elle est chargée en plein de choses, chargée en nutriments, chargée dans un monde microbien ou fongique, etc. Et je me dis, dans mon idée à moi, c'était de me dire, on allait peut-être aussi favoriser le développement de poissons adaptés à des systèmes aquaponiques parce qu'on a vraiment des conditions très particulières. Et donc, j'ai pas révolutionné quoi que ce soit au niveau des protocoles. On a eu au départ des taux de survie plutôt mauvais sur les stades œufs avec beaucoup d'attaques fongiques parce que je ne peux pas traiter. Donc, j'ai aucun traitement sur mes poissons. Le seul traitement que je m'autorise, c'est le peroxyde d'hydrogène. Donc, autant dire que c'est pas facile. Par contre, une fois qu'ils sont nés, bah là, c'est des warriors. Et c'est plutôt comme ça qu'on a essayé de voir le truc. Et donc là, l'idée maintenant pour moi, ce serait d'aller vers de la sélection ou de l'amélioration combinée dont tu parlais tout à l'heure. Super, merci beaucoup. Donc on va enchaîner pour rester dans le temps avec Pierre, avec Christophe. Donc je te laisse avec Christophe. Merci, donc je m'appelle Christophe Agnew, je suis enseignant chercheur à l'Université de Lorraine, dans un laboratoire qu'on appelle le LIEC, dont vous en avez entendu parler ces derniers jours. À plusieurs reprises. Et je suis microbiologiste de formation et depuis quelques années maintenant, je m'intéresse donc à l'aquaponie, déjà à titre personnel. Ça fait quelques années que je fais l'aquaponie donc dans mon jardin. Et puis depuis peu, donc, au laboratoire, donc au LIEC. Je vais vous présenter donc ces différents aspects. Donc, comment cette aventure est née? Donc, cette aventure, elle est née dans un petit jardin lorrain. Et dans ce petit jardin lorrain, donc une terre lourde, argileuse, donc pas facile à cultiver. De nombreuses plantes adventices, des limaces à profusion, une météo capricieuse, bilan tout ça, donc une production qui n'était pas à la hauteur du temps que j'y consacrais. Quant au jardinier, lui aussi, peu de temps à consacrer à son jardin, une aversion profonde pour le désherbage, le bêchage, l'arrosage, donc ça ne me plaît absolument pas, l'attention des poissons et des milieux aquatiques, et puis quand même de bonnes bases en science et surtout le goût de l'expérimentation. Alors moi, j'ai découvert l'aquaponie assez tardivement. J'ai tapé quelques mots-clés sur Internet, eau, poisson, légumes, et je me suis rendu compte que finalement, cette aquaponie, ça existait déjà depuis très longtemps. Je pense que c'est Dénapé Benjamin et Dénapé Guillaume. Et donc, aquaponie, donc, on ne l'a pas précisé, mais c'est donc le travail de l'eau. Et donc, à partir de là, donc, vous voyez aussi cette magnifique peinture ici qui représente donc, les Aztèques qui déjà, eux, cultivaient sur l'eau pour gagner de l'espace, et donc sur le lac de Texcoco. Et donc, ils avaient déjà quelque chose qui ressemblait donc fortement à l'aquaponie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, l'aventure a commencé à partir de là. Et je me suis assez vite rendu compte que quand on parlait d'aquaponie, on pouvait avoir différentes visions de l'aquaponie. Donc, pour certains, qui viennent notamment du milieu aquacole, donc une vision très aquacole avec pour objectif d'éviter l'accumulation dans l'eau, de composer néfaste aux poissons. D'autres, au contraire, avaient une vision beaucoup plus agronomique, où l'objectif était donc de fournir aux plantes des éléments essentiels à leur croissance, donc en quantité et en diversité. Bon, moi, je ne me reconnaissais absolument pas dans ces deux visions de l'aquaponie. Et de par ma formation, de par mon métier, donc j'avais plutôt une vision beaucoup plus écosystémique. Et donc, moi, mon objectif, c'était de favoriser les processus et les facteurs biotiques donc, dans un système aquaponique. Donc, tout existe dans la nature. Est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire en fait, ces différents processus donc, au niveau d'un système aquaponique? Et donc, vous voyez, dans le laboratoire dans lequel je viens, donc le LIEC, donc, on a l'habitude de travailler donc, sur différents organismes, sur des chaînes trophiques également plus ou moins complexes, dans des systèmes qu'on appelle des microcosmes, des mésocosmes, parfois des portions d'écosystèmes, voire même dans l'écosystème lui-même. Et donc, assez rapidement, donc, je me suis lancé dans la construction d'une serre aquaponique dans mon jardin. Donc, une serre qui fait 6 mètres par 4, pour un volume d'eau donc, de 3,5 mètres cubes. Vous voyez ici cette serre en pleine période de production, donc au mois de juillet. Et dans ce système-là, donc, j'élève principalement donc, différents types de poissons, donc des perches. Vous voyez ces mêmes poissons ici en haut et en bas, donc les perches donc, sur la partie gauche. Donc Perca fluviatilis, donc la perche commune en France. Et également du silure, que vous voyez également en haut à droite. Alors pourquoi le silure? Tout simplement parce que le silure donc, il est dans les bassins. Et il permet tout simplement de nettoyer les bassins et de consommer tout ce que les perches ne mangent pas. Je nourris les perches et s'alimentent dans la colonne d'eau. Et tout ce qui tombe au fond du bassin va être consommé par les silures. Donc finalement, je ne m'en occupe pas, ils grossissent. Et alors je précise aussi que le silure a une chair qui est très, très, très bonne à consommer également. Et puis, j'ai également quelques cendres également dans l'installation. Alors, je vous disais tout à l'heure, dans ma vision des choses, moi, c'est de favoriser donc, les processus écosystémiques. Et donc, dans cette installation aquaponique, j'ai inclus donc, un certain nombre d'organismes différents. Donc, vous voyez ici donc, des escargots, des vers. Donc, en haut à gauche, donc, c'est des planorbes. Et vous les voyez ici donc, en pleine action, en train de nettoyer les surfaces des bacs. Donc, ils vont consommer toutes les algues qui sont développées, tout le biofilm.
Et donc, de par leur action, ils vont non seulement nettoyer le système, mais également, ils vont remettre en suspension des nutriments qui pourront être utilisés par les plantes. Vous voyez également des vers dans le substrat, qui eux, vont consommer dans toutes les racines qui vont s'accumuler, les racines mortes, les feuilles qui tombent également sur le substrat. En bas à gauche, vous voyez des fibres, donc également des petits escargots qui sont en pleine action en train de consommer de l'aliment qui n'a pas été consommé par les poissons. Donc, eux aussi, ils jouent un rôle de nettoyeur. Et puis en bas à droite, donc on voit pas bien, c'est des microcrustacés, donc là c'est des gamins et des azelles qui eux aussi vont consommer un certain nombre d'éléments, des matières organiques et libérer également des nutriments dans le système. Alors il y a ce que j'ai introduit dans le système et puis il y a ce qui est venu également naturellement dans le système. Et vous voyez donc ici un certain nombre d'organismes différents. Donc, on voit en haut à gauche ici, c'est ce qu'on appelle le porte-bois en France. Donc c'est une larve de trichoptère, donc les insectes sont venus pondre dans l'installation. On voit également donc, des libellules, on voit en bas à gauche donc, des abeilles qui viennent s'abreuver dans l'installation aquaponique. Et puis on voit en bas à droite, donc c'est assez récent, donc un certain nombre de grenouilles qui ont colonisé également la serre et qui sont intéressantes parce qu'elles vont également consommer quelques limaces qui vont éventuellement traîner. Donc ça, c'est juste un exemple de quelques organismes qui sont venus s'implanter également dans la serre, il y en a beaucoup. Et effectivement, j'ai participé à un concours donc, en 2022, donc jardiner autrement en faveur du climat et de la biodiversité. Et donc cette serre, qui est vraiment un point d'eau donc, dans la ville, et qui est très riche en diversité, a été primée donc, au niveau de ce concours par l'OCDE et le SNHS. Et puis également, cette serre aquaponique, et puis l'aquaponie en général, c'est un très bel outil éducatif pour les enfants. Et vous voyez donc ici une visite, donc j'ai assez régulièrement des visites des scolaires, je représente un petit peu l'aquaponie, je leur explique ce que c'est, et je leur explique surtout l'importance des interactions entre les différents organismes. Et ce qui pourrait se passer si éventuellement on enlève des maillons dans ces systèmes. Donc comprendre et veiller pour mieux préserver ensuite. Alors je suis désolé, donc ça rappelle des mauvais souvenirs, donc les enfants sont masqués, mais en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus facile donc, à gérer au niveau du droit d'image. Mais donc vous voyez, ces systèmes-là ont vraiment un très bel outil pédagogique. Et justement, par rapport à cet outil pédagogique, donc ça fait suite à des questions que j'ai eues par les enfants qui m'ont demandé un jour, mais vous pensez en aquaponique, c'est bien bon, mais vous les nourrissez avec quoi? Donc, je leur ai dit, ben, j'ai noué des granulés. Okay. Mais il y a quoi dans ces granulés? Il y a de la farine de poisson. Okay. Elle vient d'où la farine de poisson? Elle vient des côtes africaines. Donc, là, je commence à me sentir un peu mal. Et il faut beaucoup de farine de poisson. Donc, je leur ai dit, ben, oui, il faut 5 kg de poisson sauvage pour produire à peu près 1 kg de poisson domestique. Donc, imaginez les yeux des enfants, donc ils étaient très polis, hein, ils n'ont rien dit. Mais j'ai bien compris qu'ils avaient envie de dire, c'est complètement con. C'est un peu vrai. Donc, au final. Ben, pour ne pas paraître trop con devant les enfants, j'ai essayé de trouver d'autres stratégies donc pour finalement éviter donc, au maximum cette farine de poisson et donc ces différents granulés. Première stratégie, donc, c'est l'utilisation de déchets organiques. Donc, en fait, cette serre, elle produit énormément de matière végétale. Vous voyez en haut la taille des racines ici sur. Je crois que c'est un concombre. Donc, énormément de matière végétale, donc des racines, des tiges, des feuilles, etc. Donc plusieurs kilos, et je me suis lancé dans un petit système de vermicompostage, donc en utilisant un ver, donc Yersinia fœtida, et puis notre espèce envahie. Donc du compostage, et forcément, donc les vers se sont développés en très grosse quantité, et j'ai réussi comme ça à produire, on va dire, plusieurs kilos de vers donc, chaque année pour nourrir mes poissons, donc à partir des déchets verts. Et puis le compost est utilisé également en valorisant pleine terre, alors du coup, je ne fais plus de jardin classique, mais je mettais ça en général au pied des rosiers, et je vous garantis qu'aujourd'hui, donc, les rosiers sont magnifiques. Donc ça, forcément, c'est assez limité, donc ça m'a permis de produire de l'aliment, mais ce n'était pas suffisant. Et assez rapidement, en fait, je me suis lancé dans un autre type d'élevage, donc tout simplement parce que, en discutant avec la boulangerie locale, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de pain gaspillé. Même chose au niveau des grandes surfaces, donc beaucoup de pain, beaucoup de farine gaspillée. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ça pour faire de l'aliment? Et donc là aussi, je me suis lancé dans un petit élevage, également assez pédagogique aussi pour les enfants, un petit élevage de larves. Donc majoritairement Ténébrio monitor et puis également Zophobar morio, donc ce qu'on appelle le ver du phallo aux États-Unis. Et donc la même chose, ça m'a permis de produire de la nourriture pour les poissons et le compost donc, issu de cette production est également valorisé en pleine terre. Alors ça c'est bien joli, mais même chose, hein, donc je ne me suis pas non plus lancé dans une production à grande échelle, donc je manquais toujours de nourriture pour mes poissons. Et en fait, dans notre région, dans le reste de la France, donc on est embêté par ce petit poisson que l'on connaît bien également au Canada, puisqu'il a envahi dans les années 90-2000, donc les Grands Lacs et puis le Saint-Laurent. Donc c'est un poisson qu'on appelle le gobie, donc le gobie à tache noire. Et donc en Lorraine, nous, on est complètement envahi par cette espèce de poisson-là. Et vous voyez ici à peu près 20 kg de poisson, donc c'est un petit poisson. Et donc en fait, je me suis dit, est-ce qu'on ne pouvait pas éventuellement utiliser ces poissons-là pour nourrir finalement les poissons qui sont carnassiques?
Donc là, vous voyez un concours de pêche en bois. Donc il y a des concours de pêche quasiment tous les 15 jours par chez nous. Et donc une dizaine de pêcheurs qui, en quelques heures, sont capables d'attraper 20, 30, 40 kilos de poisson. Parce que ça va dire. Et puis également, au niveau de certains bureaux d'études, vous voyez en bas à droite, donc les bureaux d'études qui font des pêches électriques, qui font des inventaires également dans les cours d'eau, qui eux aussi pêchent un certain nombre de copies qu'ils ne peuvent pas remettre à l'eau. Alors je précise qu'un pêcheur qui remet dans des copies à l'eau est passible d'une amende. Donc ça oblige soit les pêcheurs à faire un trou et enterrer leur poisson, soit éventuellement à ramener ça chez eux pour le mettre dans leur poubelle. Donc quand je récupère les poissons, généralement ils sont plutôt contents et en général c'est eux qui m'appellent pour me dire, ben alors 30 kilos de poissons, si vous pouvez venir les récupérer, ça nous arrange bien. Et donc les lobbies, c'est principalement dans la rivière Moselle, et puis on a un autre problème dans pas mal d'étangs par chez nous, c'est ce poisson-là, le poisson-chat. Et là, vous voyez, chargé à l'arrière de ma voiture, 80 kg de poisson-chat, en 5 heures de pêche, à 10 pêcheurs. Donc ces poissons-là, ben, je les coupe en morceaux, je donne directement aux poissons, donc aux perches, et j'en prendrai également une partie. Un autre point également important, donc on n'a pas forcément parlé pour l'instant des carences en aquaponie. Donc, il arrive parfois qu'en hydroponie ou en aquaponie, on a un certain nombre de carences. Et vous voyez, donc, par exemple, à droite, ici, donc, des feuilles carencées. Alors, il faut des plantes aromatiques, ce n'est pas forcément très joli d'avoir des plantes comme ça. Mais également, donc, ça influe sur la croissance des plantes et puis également des légumes produits. On voit également ici des concombres qui sont probablement carencés et qui ont des formes un petit peu particulières. Généralement, c'est généralement lié donc, à des problèmes de carence en fait, dans le système. Donc, ce que j'ai mis en place, et Benjamin en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc sur la partie gauche ici, c'est les systèmes donc, de minéralisation des bouts des poissons. Donc là, on l'a précisé tout à l'heure, donc il y a une grosse partie des éjections des poissons qui sont de forme soluble et majoritairement de l'azote. Et puis dans les fractions solides, on a majoritairement donc, du chlore, du potassium qui vont se trouver dans ce type d'éjection-là. Donc l'idée, c'est de récupérer ces digestions, ces éjections, et de les digérer dans un système donc, de minéralisation pour libérer du nutriment qui ensuite sera réintroduit dans le système. Et puis également, vous voyez ici, donc, à partir du lombricompost, je récupère également ce qu'on appelle un lixivia, ce qu'on appelle le télombricompost, que je réintroduis également dans ce système de minéralisateur, et je libère également de nombreux nutriments que je remets ensuite dans mon système aquaponique. Donc voilà le système dans sa globalité. Donc je parle d'aquaponie éco-responsable, d'aquaponie intégrée. Donc voilà un petit peu le schéma global de ce que j'utilise actuellement. Et donc cette façon de procéder donc est très économique, vous vous en rendez compte puisque j'utilise pas mal de déchets organiques différents, m'a permis de produire donc une multitude de légumes, de fruits, donc des différents types de plantes. Donc je crois aujourd'hui qu'on est capable de tout produire en aquaponie. Franchement, la seule chose que je n'ai pas testée pour l'instant, c'est la pomme de terre. Mais je pense que tout est capable de pousser dans un aquaponie, juste avec des systèmes qui vont être différents. On peut cultiver sur de la vie d'argile, on peut cultiver dans du sable, on peut cultiver sur des radeaux. Voilà, vous avez dû voir un exemple également hier soir à la visite qui est organisée. Et puis également, on peut cultiver bien sûr en été et en hiver. En hiver, les poissons mangent moins, mais les plantes continuent. Ils mangent quand même un petit peu, mais les plantes continuent à pousser. Et alors, bien sûr, moi, je cultive principalement des plantes de saison. Donc, ça va être des choux, ça va être des poireaux, ça va être différents types de salades. Donc, l'idée non plus, c'est pas d'aller choper la serre, bien sûr, en parfait. Et puis, bien sûr, le système aquaponique, là, il permet aussi de produire du poisson de qualité, donc du poisson alimentaire. Donc, la perche est un très bon poisson, en quantité suffisante pour nourrir une famille à l'échelle domestique. Quelques chiffres rapidement, parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Donc ben finalement, c'est un mot tout ça, vous utilisez des pompes, de l'énergie, qu'est-ce que ça vous coûte? Donc quelques éléments clés ici, donc par rapport à la consommation électrique, c'est 70 watts-heure que j'utilise, donc la pompe à eau et la pompe à air, ce qui équivaut à une dépense d'à peu près 110 euros par an en France. Consommation d'eau, donc je n'en ai pas parlé, mais cette eau va être majoritairement consommée par les plantes ou perdue par l'évapotranspiration. Donc là, on est autour d'une trentaine d'euros par an. Et pour la production végétale en 2022, donc j'ai produit 250 kg de légumes sur 24 mètres, donc une serre de 24 mètres carrés, avec une surface de culture qui était 13 mètres carrés, je crois, donc ça fait 20 kg par an et par mètre carré. Pour un coût de production de moins de 30 euros qui correspond à l'achat des graines et un peu de terreau pour faire la germination. Pour les poissons, donc là, en 2022, je n'étais pas encore à l'optimum, je pense pouvoir produire entre 50 et 60 kg de poissons sur cette surface-là. Donc là, en 2022, c'est ce qui vous perche, 2,7 kg de figure, donc à peu près 20 kg de poisson. Pour un coût, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de 0 euro.
Bien sûr, donc ça c'est hors achat donc, du poisson, puisqu'on utilise le plus souvent dans nos installations du poisson du poisson domestiqué qui est même si c'est pas circulé. Et voilà, le poisson peut être autour de facilement entre 1 et 3 euros le simple poisson. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen peut-être de reproduire ces poissons-là et d'avoir une descendance aussi pour être un peu plus autonome et ne pas être dépendant de l'approvisionnement en poisson. Et donc, je me suis lancé en 2022, c'était un échec, je me suis relancé en 2023, sur la reproduction de mes perches. Et vous voyez ici en haut à gauche donc, des œufs de perche en récurrence absolument magnifiques qui sont déposés ici sur une brosse. Donc c'était un J-10. On voit à J4 donc, les petits qui sont sortis de leurs œufs. À J50 en bas, ils ont grossi encore un petit peu. Et à J120 aujourd'hui, donc on voit des poissons de taille relativement correcte. Alors, ça, bien sûr, c'est aussi un challenge, hein, parce que l'envoi de la perche est connu pour être très compliqué. Il faut maîtriser la vernalisation, il faut maîtriser l'éclosion, il faut maîtriser la formation de la vessie natatoire, il faut maîtriser le cannibalisme, parce que ces poissons vont se manger entre eux. Donc, c'est un challenge, mais voilà, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais c'était vraiment une très belle expérience. Du coup, c'est le côté un peu pédagogique également. Je communique beaucoup sur cette installation-là. J'ai développé une petite chaîne YouTube et une vingtaine de vidéos. Hein. J'essaie de trouver le temps pour alimenter un peu cette chaîne, mais ça devient compliqué. Donc, ça permet de communiquer assez facilement sur l'aquaponie, un peu partout dans le monde. Et vous voyez, au niveau des interactions, des interlocuteurs que j'ai le plus, donc en top 2, donc c'est, top 1, ça va être la France, en top 2, la Belgique. Et en troisième position, donc les Canadiens avec qui j'ai échangé beaucoup sur ces systèmes aquaponiques. En version indoor, en version outdoor. J'en arrive maintenant à la partie plus scientifique. Donc, vous le disiez, moi, je me suis amusé un petit peu dans mon jardin à faire de l'aquaponie. Et puis, je me suis dit, mais il y a tellement, le sujet est très vaste, il y a tellement de questionnements de recherche sur lesquels on peut travailler, notamment sur l'aspect microbien, sur l'aspect des invertébrés dont je vous parlais tout à l'heure. On les met dans le système, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais on n'est pas capable de quantifier ces effets-là. Et je me suis dit, s'il n'y aurait pas moyen de simplement travailler sur ces différentes thématiques de recherche. Et donc, Guillaume en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on a accueilli Jean-Baptiste Legrand dans le cadre de son stage donc, à l'AgroParisTech. Donc, on a co-encadré ce stage-là. Donc, l'objectif était l'analyse tochométrique d'éléments cibles. Donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse tochométrique? C'est le devenir des éléments dans un système. On sait ce qu'on met, on sait ce qu'on prélève, où partent les éléments. Qu'est-ce qui passe dans les plantes, qu'est-ce qui passe dans les poissons, qu'est-ce qui est bien vu, etc. Et le deuxième sujet, c'est le rôle des invertébrés dans l'installation aquaponique. On met les invertébrés, est-ce qu'ils ont vraiment un rôle, est-ce qu'ils font quelque chose? Et donc, on est parti sur des systèmes très simples que vous voyez ici à gauche. On les voit ici sur la droite, ce qui a été mis en place. Donc, un système très simple, une zone poisson, une zone de culture qui contient, donc on voit ici, c'est du galet roulé, donc il y a une moselle à proximité, un puiseur dans lequel on met la bombe, et donc le système, un système circulé, donc l'eau va circuler en permanence. Et donc, on va, les intrants vont être donc l'aliment qu'on va donner aux poissons, les extrants, c'est les poissons qu'on prélève et puis les plantes. Et donc l'expérimentation a duré une centaine de jours. Donc vous voyez ici au printemps et à l'été 2023, les résultats sont encore arrivés il y a quelques jours. Le poisson est parti également sur la perche commune. Les plantes cultivées, la laitue du basilic concombre. Un volume d'eau total de l'installation, 750 litres. Et donc on avait, on les voit ici, donc 9 bacs différents, 3 bacs contrôle, 3 bacs avec des azelles, le petit crustacé qui est ici à gauche. Donc les azelles sont bien connues dans le monde du bassin, hein, puisque voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces organismes-là pour décolmater en fait leur bassin et consommer la matière organique accumulée. Et puis également donc, des vers de terreau, des vers de compost qui sont introduits dans le système. Des vers dans l'eau, bah oui c'est possible parce que les vers finalement vont respirer par la peau. Donc si on a une eau suffisamment oxygénée, les vers vont survivre et se multiplier et se développer. Donc je vous disais au niveau des intrants, ils vous sont présentés ici, il y a 3 types d'intrants dans ces systèmes-là, ce qu'on a utilisé nous pour notre recherche. Le premier, le majoritaire, c'est l'eau. Donc on a mis l'eau du réseau principalement, très simple. Donc vous avez ici la composition élémentaire donc, au niveau de l'eau du réseau qu'on a chez nous, donc l'eau qui est très calcaire quand même. Avec un taux de renouvellement, on était à 1% par jour. Donc les 7 litres par jour perdus correspondent tout simplement à la consommation par les plantes et l'évapotranspiration donc, au niveau des feuilles des plantes. La nourriture, vous avez ici la composition donc, de l'aliment qu'on a utilisé. On était à un taux de rationnement donc, de nourrissage de 1% par jour de la biomasse poisson. Donc sur la durée d'expérimentation, ça équivaut à 2,4 kg d'aliments donnés à ces poissons-là. Et puis on a quand même été obligé à un moment donné de complémenter un petit peu donc, ces systèmes-là, puisque je vous disais, donc là on ne fait pas de la minéralisation.
Donc, on avait beaucoup d'azote, mais on manquait de potassium et de phosphore. Donc, on était également obligé de complémenter avec donc, du potassium, du phosphore, du fer et un petit peu de manganèse. À hauteur donc, d'à peu près 37 grammes. Sur les... Alors, on a complémenté sur les 50 premiers jours et ensuite, on a laissé le système tourner encore 50 jours en laissant le système évoluer. Juste quelques chiffres donc, sur ces systèmes-là, comme ça, ça permet de vous donner une idée de la productivité de ces systèmes. Donc, sur 100 jours, on a produit donc, sur chaque pack, sur une surface donc, cultivée de 1,2 m², 10 kg, donc de 10,5 kg de plantes différentes, de matière végétale. Donc, ce qui vaut une matière sèche de 950 grammes. Donc, on a mis 40, on a supplémenté avec 40 grammes d'intrants et on a produit donc 950 grammes donc, de matière sèche solide. Donc, ça, c'est la matière végétale totale, avec les racines, avec les tiges, etc. etc. Et en aliments, proprement parler, hein, donc les salades, une dizaine de salades, c'est équivalent à 2,5 kg, le basilic, 1,3 kg de basilic dans notre système. Et encore, on n'était pas l'optimum, le système est encore un peu jeune. Et au niveau des fruits, donc les concombres, 1,9 kg. Pour le poisson, on a mis 2,4 kg donc, d'aliments au poisson et on produit 1,6 kg donc, de biomasse poisson, ce qui équivaut à l'indice de conversion de 1,5. On voit ici quelques photos qui vous présentent la production de ces systèmes-là. Aussi une analyse stoichiométrique sur les éléments cibles. Donc on a analysé 52 éléments différents sur les 118 du tableau périodique. Donc c'est un challenge également au niveau de cette expérimentation. Et j'ai marqué en haut, donc à droite, 72% recovery, ça veut dire que les éléments qu'on a introduits, vous savez ce qu'on a mis, on a retrouvé à peu près dans notre système minimum 72%, et on est monté pour certains éléments à quasiment 100% de recovery. Donc on voit au niveau des intrants qui sont listés ici, donc les différents éléments. Donc on a en rouge donc ce qu'on a complémenté, en bleu c'est ce qui correspond à l'eau, en marron clair, ouais, c'est pas comme tu m'en as dit, mais en marron clair donc c'est la nourriture, et en marron foncé ça correspond à ce qu'on a introduit, des éléments qui étaient finalement présents dans le substrat qu'on a utilisé. Vous avez vu c'était du galet de Moselle, donc qui ont entraîné avec eux un certain nombre d'éléments. Donc ça c'est ce qu'on a, c'est ce qui a été mis dans le système. Et ici, vous avez la répartition de ces différents éléments, donc à la fin de la manip. Donc en jaune, ce qui est passé dans le poisson, donc les poissons ont mangé de l'aliment et se produit de la biomasse. En bleu, ce qui se retrouve dans l'eau. En gris, ce qui se retrouve dans les poux accumulés. Et puis en vert, donc, ce qui est passé dans les plantes. Et donc intéressant donc, de voir aussi ici que dans ces systèmes-là, donc certains éléments, en fait, on parlait de minéralisation tout à l'heure, donc c'est le cas, certains éléments vont se trouver vraiment accumulés dans les poux. Et donc, pour beaucoup de personnes qui font l'aquaponie, ils ont tendance à retirer en fait ces bouts du système. Temps infini. Donc, effectivement, donc ces bouts qui vont retenir un certain nombre d'éléments, et donc l'idée c'est de minéraliser ces bouts pour libérer du nutriment ensuite pour éviter de passer par les apports des complémentations chimiques. Très rapidement, donc concernant les invertébrés, donc vous voyez ici, les vers ont prospéré, ils sont devenus énormes, ils sont bien mangés. Les azelles également ont bien prospéré, et puis on les voit ici sur un rocher ici en train de grouiller, parce que là aussi elles ont consommé pas mal de choses. On voit donc ici les vers qui ont pondu donc directement dans les racines des plantes. Vous voyez les œufs de vers ici, donc tout se passe bien pour eux, ils se développent bien, il n'y a aucun souci. Si on regarde après le résultat au niveau de la biomasse produite, donc on n'a pas de résultat significatif à ce niveau-là, donc on n'a pas vu une pousse plus importante des plantes en présence d'invertébrés. Mais par contre, ce qu'on a constaté au niveau de la chimie, ce que je présente ici, c'est que là, il y a quand même des effets assez marqués. Alors tout n'est pas significatif, j'ai mis une étoile comme ça l'était. Donc, où on constate tout simplement que y a des choses qui vont se passer donc, au niveau de la chimie bio. On voit que, par exemple, on a moins de nitrite en fait, dans les compartiments, pas orange et les vers de terre, en vert, c'est les azelles. Donc, moins de nitrite dans les systèmes en présence de vers de terre et d'azelles. On voit qu'on a un peu plus de phosphore également donc, dans le compartiment où on a mis introduit des azelles. Même chose également pour le potassium. Et puis, ce qui est assez surprenant aussi, on a vu, alors là, c'était très significatif, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, une augmentation également de la silice dans nos systèmes aquaponiques. Alors, on est en train de creuser pour essayer d'expliquer tout ça. Et on s'est rendu compte que les invertébrés, en fait, en consommant la matière organique accumulée, en consommant le biofilm, ont consommé également ce qu'on appelle des diatomées, hein, qui sont des algues qui contiennent de la silice, et vont libérer
a priori, on est en train de tester l'hypothèse, mais de libérer donc de la silice dans le milieu. Et cette silice, potentiellement, pourrait avoir un effet bénéfique sur les plantes. On sait que la silice renforce les plantes, renforce la structure des plantes. Donc, c'est des choses également sur lesquelles on va travailler encore par la suite. Voilà, pour vous présenter donc, ce qui est actuellement en cours aussi au niveau de la minéralisation. Donc, on teste différentes variables pour libérer donc, différents nutriments. Donc, en modifiant en jouant sur l'oxygénation, présence-absence d'oxygène, le pH, le ratio carbone-azote et la bioaugmentation. Donc, l'idée, ce serait d'utiliser des micro-organismes qui seraient capables de faire des fonctions un petit peu particulières pour arriver à libérer encore des nutriments supplémentaires, comme du fer, par exemple. Et je terminais sur cette diapositive pour vous dire que l'aquaponie, ce n'est pas juste le travail de l'eau. C'est un peu tout ça. Donc, il y a différents éléments que j'ai déjà abordés. Mais c'est également potentiellement la souveraineté, la sécurité et l'autonomie alimentaire. C'est l'économie d'eau, l'économie de l'eau, on en a parlé, la valorisation de déchets, la possibilité de cultiver donc, plantes, poissons sur des surfaces qui ne sont pas forcément cultivables, donc des surfaces qui sont, qui sont peu fertiles ou éventuellement même des sols pollués, des possibilités également en périphérie des villes, et puis des systèmes indoor ou outdoor, donc j'en parlerai tout à l'heure. Quelques mots également en circuit court, outils pédagogiques, j'en ai parlé, et puis bien sûr, donc biodiversité. Merci. Félicitations, Christophe, tu as fait 10 minutes de plus. On va quand même prendre une petite question. Si quelqu'un a une question. Ah, on a une question en ligne? La première. Voilà. Quelle est la taille économique que pourrait atteindre une ferme selon votre modèle? Autrement dit, combien d'équivalents temps plein un tel modèle pourrait-il soutenir? Je ne me suis jamais posé la question, puisque vous voyez, dans mon cas de figure, moi, je me suis principalement concentré sur ce qu'il est possible de faire à l'échelle domestique, parce que je crois vraiment qu'il peut se faire à l'échelle domestique. Sur des questions comme ça, je suis incapable de répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se permettre des choses à l'échelle domestique, on ne pourrait pas se permettre à l'échelle professionnelle. J'alimente mes poissons avec des poissons qui viennent du milieu naturel, peut-être avec leur lot de microbes, j'en sais rien. Donc, c'est clair qu'au niveau d'un système commercial, dans ce que je fais, moi, je prends des risques. Au niveau d'un système commercial, on ne peut pas se permettre de prendre ce type de risque-là. Mais par contre, on peut imaginer qu'on pourrait très bien utiliser des sous-produits de la pêche, des poissons qui viennent du milieu naturel qu'on va transformer en farine animale, tout simplement, pour utiliser dans ces systèmes-là. Donc, il y a en fait de la protéine animale, il y en a partout. Hein, plutôt que d'utiliser dans les océans et prendre des poissons qui sont vivants, on ne peut pas utiliser des sous-produits de la pêche ou d'autres types d'éléments. Merci beaucoup. Donc, on va terminer cette séance sur l'aquaponie avec Pierre-Olivier qui va nous parler d'aquaponie, encore une fois, mais dans le delta du Saloum. Alors, bonjour à tous. Bien content d'être parmi vous et d'être, c'est moi qui vais être là, en fait, ce que j'ai compris avec le congrès. Vous allez voir, mon rythme va être un petit peu moins effréné que ce qu'on a vu. On a eu beaucoup d'infos. Un peu plus contemplatif, celle-là, vous allez voir. Il va y avoir une petite vidéo aussi, vous allez vous promener dans les ballons là, au Sénégal, voir un petit peu des chatons du système, comme j'appelle. Bah oui, les chatons fabriques, c'est des clarias qu'on a dans le système. C'est mignon comme un chaton. C'est peut-être parce que j'ai une déformation biologiste là, et à quoi comme, mais vous allez voir, c'est vraiment un très beau poisson qui est grand connu. Ici, vous voyez l'équipe qui est directement dans le delta du Saloum. Et puis, ce que je trouve vraiment important de pointer aussi, c'est qu'on a dans notre équipe plusieurs anciens étudiants qui ont diplômé à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, où je travaille, où je suis enseignant-chercheur, et qu'on a engagé directement après leur diplomation pour venir designer, construire et piloter le système. Donc, ça montre un peu la confiance qu'on a envers nos étudiants. Puis on voit d'ailleurs dans la liste de noms le fameux Jesse Loiseau qui commence là, à être un grand nom, là, qui vient étudier là, à l'École des pêches et qui maintenant là, roule sa bosse en France, en aquaponie. Donc, menu du jour, présenter un petit peu sur le delta du Saloum, condition insulaire, mais un petit peu différente de Saint-Pierre-et-Miquelon. Parler des objectifs, conception, construction, bref, un peu de biogaz, d'aliments, l'éclose de clarias, transformation et ce qu'on projette pour la suite. Donc, le delta de Saloum, c'est où? C'est au Sénégal, sur le bord de l'eau, la côte atlantique, en bas à gauche, collé sur la Gambie.
C'est un site important dans l'histoire de l'occupation humaine. On trouve vraiment des traces d'occupation très vieilles. Il y a entre autres là, des présences d'importants amas coquillés qui sont protégés par l'UNESCO. C'est formé le réseau de canaux et de ballons sur Marte. Donc, c'est, ça peut ressembler un peu à l'Amazonie. Moi, ce qu'on voit, des petits bras de rivière, vraiment là, très peu profondes, puis avoir des degrés d'eau sur Marte là, assez variables. Et la forêt va être là, peuplée tous les bords là, de palétuies, donc qui vont vraiment être là, emblématiques du coin. C'est un grand site ornithologique aussi. Donc, c'est pas gênant. Quand on s'en va là avec des étudiants, là, faire de la compagnie, là, c'est vraiment un très beau site. Donc, mise en situation, localement, c'est une toute petite île qui souffre là, vraiment là, d'insécurité alimentaire. Là, vu de la récolte là, traditionnelle depuis là, disons, grave année, d'huîtres de palétuvier sur les racines. Mais comme vous en doutez, si on vient régulièrement couper ou venir là, abîmer les racines pour venir en cueillir les huîtres, on vient abîmer l'arbre et puis tranquillement là, nuire à tout son rôle écologique qu'il fait pour contre l'érosion des berges. Donc, ce qu'on a observé à travers le temps, c'est un retrait des palétuviers, l'érosion accélérée sur les îles là-bas et puis une salinisation des terres et des puits, ce qui est vraiment pas optimal pour faire de l'agriculture et essayer de produire localement là, des aliments. Donc, on note l'insularité, l'insécurité financière. Il y a aussi un grand nombre de femmes qui sont sans emploi avec des niveaux d'éducation variables dans ces communautés-là. Et puis, il y a aussi un grand stress hydrique, le genre de place où est-ce qu'il pleut intensément pendant une courte période et ensuite ça devient très sec. Donc, c'est un défi qu'on a pris en compte là, pour notre projet aquaponique parce qu'on ne voulait vraiment pas contribuer au problème. Donc, comme vous allez le voir, on a essayé d'être 100% autonome et d'avoir aucun stress là, sur les ressources déjà extrêmement limitées. Donc, l'objectif, c'est de créer une station innovante afin d'améliorer la sécurité et l'autonomie alimentaire dans la région par la production locale en circuit court et la transformation en utilisant le plus possible là, tout ce qu'on trouve à proximité. Des fois, ça veut dire pas grand-chose. On a des gros problèmes dans le système de temps en temps et ce qu'on a comme ressource, c'est de la bave et du duct tape pour réparer. Donc, ça prend beaucoup là, de créativité, mais on a vraiment une bonne équipe innovante sur place. Ce qu'on voulait faire, c'est produire des végétaux, des protéines animales à l'année. Il n'y a pas de production sur l'île. Il y a seulement de la pêche. Ils vont faire venir quelques produits, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens d'en faire venir en grande quantité. Justement, on a essayé de chercher un fruit sur l'île pendant toute la semaine. Et là, je dis juste au singulier, là, un fruit à acheter. Il n'y en avait aucun, tout simplement. Donc, les gens vont consommer des herbes, des poissons, et on voit vraiment un effet, là, fishing down the food web, là, dans ce coin-là. Les gens sont rendus à consommer des poissons d'une dizaine de centimètres et moins. Donc, proposer une production autonome n'épuisant pas de ressources locales et finalement développer des opportunités pour les groupes de femmes sans emploi avec niveau scolarité en fait. Maintenant, quelques images là-dessus.
Mais bon, j'attends. Donc, c'est le genre de projet qui commence petit et puis rapidement, on doit ajouter plein de petits morceaux. Vous avez vu, c'est assez diversifié dans la vidéo. En fait, la première fois qu'on m'a approché il y a 3 ans, l'idée, c'était de faire juste de la production de poissons sur l'île avec un peu de plantes à cueillir. On s'est dit, fais-toi-en pas, il y a l'université, il y a plein de producteurs locaux qui vont faire tous les autres morceaux, la moulée, toutes ces choses-là. Finalement, on construit le système et puis, comme vous savez, hein, ce genre... L'entreprise-là est toujours des surprises. À la dernière minute, on a su qu'il n'y avait finalement pas de production de moulée locale. Donc, on a dû, un mois de préavis, acheter une extrudeuse sur Alibaba et puis commencer à faire de la moulée. Ensuite, on a réalisé qu'il n'y avait pas réellement d'écloserie non plus pour la poisson qu'on avait ciblée. Donc, on a fait une écloserie. Et puis, finalement, on a aussi décidé de faire du biogaz pour là, être totalement là, autonome sur l'île et faire rouler l'usine de transformation qui avait été construite là, juste à côté. Donc, c'est maintenant là, une station circulaire assez intégrée, comme vous le voyez. On fait notre propre moulée avec des ingrédients locaux qu'on utilise, comme vous allez voir plus tard, moi, chef de noir et compagnie, mais aussi des coproduits de transformation de fruits de mer. Si vous avez le système, donc à droite, les auges de plantes qui sont des longs réseaux en béton, qui sont maintenant des décanteurs aussi en même temps. On a les grandes piscines à chatons en haut à 30 mètres cubes où est-ce qu'on met nos géniteurs. Ensuite, les 2 mètres cubes où est-ce qu'on fait vraiment le grossissement pour atteindre des filets d'environ 500, des poissons de 500 à 700 grammes. Il faut comprendre dans cette région-là, les frigos ne sont pas très populaires. On va acheter durant la journée et consommer le soir. Et c'est des petites quantités vu que les moyens sont souvent limités. Donc, on vise vraiment des petits poissons qui vont combler un repas. Et puis ensuite, le lendemain, ils vont venir en acheter un autre, tout simplement. Donc, on est capable de produire des bétails de 3, 4, 5 kilos. Mais à moins qu'il y ait un mariage sur l'île, c'est pas vraiment le produit qui est voulu par la population. Si on le voit sous un autre angle, avec le filtre à tambour, entre autres, qui est une des péripéties. Construction, on a réussi à avoir un site en angle, ce qui fait qu'on peut vraiment exploiter la gravité. Il est juste à côté, vous voyez le mur rouge là en haut à droite, qui est l'usine de transformation où on voyait les dames produire le poisson et le faire fumer avec la fibre de coco. Et puis, petit peu, ceux qui habitent au Canada, sachez que depuis 3-4 mois, on importe le poisson qui est produit, entre autres, là, sur l'île, sous forme de poisson fumé. Il est vendu à Montréal. Et puis, l'idée, c'est de faire payer les Canadiens plus cher pour le poisson, être capable, entre autres, là, de le vendre à moindre coût sur place, frais, au lieu de... Donc, tout le système a été designé par les étudiants de l'École des pêches qui sont à la technique. Donc, une technique de 3 ans qui ressemble, grosso modo, au BTS en France. Et puis, ensuite, commander le matériel. On le fait venir et on est bientôt à la fin de la 2e année de production. Donc, c'est encore tout récent. On sort du poisson, des plantes, ça va bien. Parmi les surprises, vous voyez à gauche, là, c'est notre filtre à tambour. On ne l'a pas vu venir, on l'a commandé, c'est une marque ukrainienne. On l'a reçu un mois juste avant le début de la guerre. Et dès le début de fonctionnement, on a eu des problèmes, mais plus dur d'avoir du service client, là, comme vous pouvez comprendre. Donc, il a fallu improviser là-dessus. On a des gens là, très créatifs sur place, ça vient d'été. On voit le biofilt et puis les bassins collectifs pour nous permettre une plus grande polyvalence. Le produit final, 200 mètres cubes environ en volume total. Et puis, on va vraiment osciller entre 200 mètres cubes jusqu'à 100 mètres cubes selon combien il y a d'eau.
Notre technique pour l'instant, c'est pendant la saison des pluies, on monte ça à 200 mètres cubes et on met deux grosses poches de 30 mètres cubes à côté pour avoir le plus d'eau possible. Et durant l'année, ben, on mise seulement dans notre système. On descend jusqu'à 100 s'il y a vraiment eu beaucoup de soleil, d'évaporation. Et là, on fait la danse de la pluie. Comme en ce moment, la pluie tombe, on remplit tout et on va être bon pour une autre année sans avoir puisé là, dans les ressources de la ville. Réserve d'eau supplémentaire, comme je disais, 4 bassins d'élevage larvaire et 4 bassins de production de juvénile. On les voit ici, les flexibles. Là-bas, les tout petits, à mètre cube pour vraiment les larves et puis les juvéniles et le produit, le filet dans ces petits bassins. Donc, vous voyez l'arbre en bas avec aussi la petite production. Et côté plantes, on a fait plein de choses selon ce que les familles voulaient manger. On a tenté les classiques là, de verdure, mais aussi tomates, concombres qui sont très dispendieux et juste inaccessibles sur l'île. Finalement, c'est le bissap et le gumbo qui l'ont emporté, qui sont vraiment les herbes les plus consommées. Et c'est de la mauvaise herbe dans le système. Donc, ça pousse très bien. Et puis, la population est au rendez-vous à chaque jour, vient s'en couper des petits bouts là, pour consommation immédiate. Beaucoup plus court aussi dans le cycle de production qu'une tomate. Donc ici, on va l'arriver, vraiment pas dans des types de transports là, qu'on voit au Québec. Il a fallu s'adapter. Donc, d'habitude, nous autres, avec un F-150 qui traîne là, un bassin. Là, c'était à un âne vapeur pour amener le tout. On voit les bassins, l'arrivée, puis un peu de grattage de tête en haut à gauche de comment on va descendre ça du bateau. Mais on y est arrivé. Et puis maintenant, on est tous autosuffisants là, avec nos géniteurs et puis notre écloserie. Et puis l'idée est même, on est sur le point de construire des petites unités qu'on va déployer dans d'autres îles. Et maintenant, on va être le réservoir, là, au lieu de faire venir de Dakar, d'autres régions, on produit directement sur l'île, on va envoyer là, des larves dans les autres systèmes environnants, sans avoir à faire les gros transports encore un temps. Bioéthanisation, tout simple, vous voyez la poche noire et la poche rouge foncé. Donc, la poche noire reçoit les rejets là, du filtre à tambour, il va avoir toute la transformation à cet endroit-là, la poche rouge, quand elle se gonfle au complet, c'est qu'elle est pleine de gaz prête à utiliser. On allume les machines dans l'usine, en descend, et puis quand elle est pleine, on peut faire une autre batch, tout simplement, là, de poissons qu'on va transformer. Et puis, je voulais mentionner, mais sur les grosses piscines, il y a aussi un toit que vous avez peut-être observé. Il y a bien sûr des panneaux solaires, on ne parle pas d'une chance de produire de l'énergie, et des gouttières au bout pour recueillir encore plus d'eau. Le fameux extrudeur, ici, juste en dessous du toit, donc avec lequel on produit la moulée. Afrique, le plus grand problème là, pour l'aquaculture est souvent la moulée, qui provient là, de centres où ce qui va être extrêmement cher. Déjà, en Amérique du Nord, le coût de la moulée dans une production piscicole, c'est un très gros pourcentage là, tout le moment. Mais là, là-bas, c'est encore plus élevé parce qu'on fait venir de la moulée de loin et puis le prix de revente du poisson local va être beaucoup plus bas que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment un élément clé qui ralentit beaucoup là, de production et puis de potentiel dans les pays. Donc, on s'est lancé dans la moulée locale avec quelques ingrédients vraiment issus du Sénégal. Donc, on voit le manioc, mouche à pain noir. Ça, il y avait réellement un producteur local, donc on a pu l'utiliser là, directement. Pas besoin de le produire. Le coproduit d'arachide aussi, qui était peu valorisé, mais qui nous amène beaucoup de nutriments, là, qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre d'ajout chimique dans le système. Potassium, calcium, on va en avoir beaucoup dans le manioc et le coproduit. L'arachide, farine de maïs, farine de poisson, farine de sang, les classiques levures, huile de poisson, minéraux et vitamines. La levure, c'est qu'on fait la technique des petits pains pour avoir une moulée flottante. Il va avoir de la levure, il va consommer le sucre, il va faire des petites poches d'air. La moulée va avoir une flottabilité positive là, dans le système. Et la farine de poisson, j'ai vu quelques personnes peut-être grimacer en le voyant dans la liste. N'ayez crainte, on n'est pas dans le mode de pêcher le peu de poisson qui reste localement et le mettre dans la moulée pour en faire un autre poisson. C'est surtout de prendre les viscères, les parties qui ne sont pas consommées, et puis laisser ces bouts-là là, vraiment en valorisation de coproduits qu'on utilise là, dans notre recette de moulée. Trois grandes recettes, pour l'instant, c'est adulte, juvénile, larve, et puis tranquillement, là, on va venir raffiner le tout. C'est des recettes qui vont changer selon l'approvisionnement durant l'année. Ce n'est pas tout qui est disponible à n'importe quel moment, mais en général, là, ça ressemble vraiment à ça. Finalement, les closings.
Elle aussi a fallu improviser. Donc, on a fait avec les moyens du bord, avec des petits bassins, et puis je pense que c'est des bacs à vaisselle qu'on a pour faire là, les différents tris là, des larves au début. Donc, on est en train de designer une écloserie vraiment spécialisée. Maintenant que c'est clair là, que pour le futur, l'écloserie va être affaliale. On veut quelque chose là, de sur mesure pour pouvoir remplir nos besoins et être sûr de limiter les besoins en énergie pour les compagnies. On voit quelques bébés chatons ici dans le bassin. Petite larve là, de quelques heures, jours après l'éclosion. Quand je vous dis qu'on improvise, ici, c'est la filtration qu'on fait directement avec une passoire à spaghetti, un tuyau pour pouvoir le sortir l'eau sans que les larves se passent la machine. Pour la transformation des poissons, fruits de mer, on a des fumoirs là, passifs avec des roches qui chauffent au soleil et qui vont nous permettre de dessécher là, sans avoir aucun intrant d'énergie. Et puis, pour le poisson fumé et l'huître fumée aussi qu'on fait sur place, c'est avec le paille de coco, qui donne vraiment un goût intéressant dans les produits aussi là, qu'on développe sur place. Donc, la suite, si j'ai encore le temps, ça va? Ok, je vais aller plus rapidement. Donc, il reste de 2-3 slides, c'est plus important. Construction d'unité satellite de production. Là, on est dans le 200 mètres cubes. On vise des 20 mètres cubes déployables dans d'autres villages qu'on va alimenter, qui vont seulement faire là, du grossissement. Ils reçoivent les juvéniles et en 6 mois, ont un produit là, directement à vendre à la population. Et puis le modèle qu'on voudrait faire, c'est qu'il va y avoir 3 lignes de bassin de taille différente, tout simple. Et puis à chaque 2 mois, on amène un nouvel approvisionnement. Ils font juste passer aux prochaines étapes. Et la dernière ligne de bassin, c'est celle qui est un aquarium de vente là, en poissonnerie, tout simplement, avec les poissons vivants qu'on peut venir choisir. Conception d'une écloserie sur mesure, comme je vous parlais un petit peu plus tôt, et création de formations adaptées. Le but, ce n'est pas de rester là à long terme. D'ailleurs, le système appartient à la communauté. On est là pendant 2 à 5 ans, et puis on forme les gens sur place. Ensuite, on leur laisse, on reste en consultant externe et on passe au prochain. On a déjà 3 autres pays ciblés alentour dans la région. Et puis le but, c'est vraiment juste de semer des graines un peu partout et puis de les rendre autonomes là, pour pouvoir rouler ce type de système-là. Les remerciements ici rapides pour le projet et puis le déplacement. Et puis, c'est maintenant le temps des questions, s'il en reste. Alors, as-tu perdu le deuxième micro? On vient de femmes vivent maintenant de cette exploitation, c'est-à-dire on reçoit un salaire, les unités satellites seront-elles pérennes lorsque vous serez parti dans 5 ans en payant les travailleurs? Excellente question. Pour l'instant, c'est vraiment sur la gestion là, du système et puis du travail des femmes. C'est une gestion qui est communautaire là, par la ville. Tranquillement, au fur et à mesure là, que les profits vont se dégager. Il y a un modèle là, qui va être établi, mais on peut tirer un peu de ces gestions-là parce qu'on veut que ça soit autonome et pris en charge là, par la communauté. Donc, ils vont le dessiner exactement comment ils veulent le déployer et répartir là, les fruits de ce travail-là et de la station en temps et lieu. Mais pour l'instant, c'est surtout du travail avec des formations et puis pour tranquillement devenir autonome et puis que cette station-là puisse vivre d'elle-même et ensuite exactement faire vraiment des jobs pérennes sur le site. Il y a une question rapide? Oui, c'est un peu. Non, il faut qu'on aille manger. Il y a plein de discussions qui vont se faire et on se voit encore ce soir. Non, on va parler au resto parce que le resto ici, c'est il nous attend à 13h, il est 13h, certes. Donc, on peut applaudir tout le monde qui est bravo. Pour les participants, merci d'aller tout de suite au bus qui nous amène au feu de place. On mange tous ensemble. Restez.